Ouais, re la famille! Oh merde, tout mélangé, voilà. C'est quoi cette musique de fou? Merci Trafalgar! Ça dit quoi? 35e mois, c'est une dinguerie, j'ai l'impression d'être une ancienne! Attendez, parce que là, ça m'a mis une musique de fou. Où est ma playlist de base là? On va remettre la première. Elle est pas incroyable ce son? Merci la famille! Attendez. Voilà. Distance qui nous sépare, toi et moi. Re à ceux qui étaient sur Kick et bien le bonjour à ceux qui n'y étaient pas. Non mais Raziak. Non mais sérieux. Non mais sérieux! Raziak! Non mais les gars! Putain. Vous êtes des malades! Merci, merci Drac! Merci Drac! Merci, mais mettez-leur des cœurs les gars! Vous voulez que je dise quoi de plus? Vous voulez que je dise quoi de plus? Vous voulez que je dise quoi de plus? Par toi et moi. Dans la dernière. Ouais, bah le. Bah, alors normalement c'est sur Kick, mais je le compte. Je le compte. Parce que de base, ça compte. Ça compte pas dedans, vu que c'est pas avec. C'est pas avec. C'est avec Botrix, mais bah les couilles, je le compte. Merci! Merci, mais Trafalgar, mais les gars, vous avez quoi ce soir? Mais je câble ou quoi? Merci beaucoup! Merci la famille, vous êtes fous, je vous jure, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. C'est incroyable, hein? Nous séparons, toi et moi. Vous êtes fous, les gars, vous êtes fous, on est monté niveau 5. Mais j'aime sa femme, le mâle alpha. Plan B? Vous êtes des bâtards. Bien les choses. Wasco. Les gars! Les gars! Vous êtes incroyable. Vous êtes fou. Vous êtes fou. En 3 secondes de live, vous êtes monté niveau 5. C'est quoi ça fait là? What the fuck? C'est trop stylé. Merci. Déjà, je vais montrer cette merveille aux gens qui ne l'ont pas vue. Regardez-moi ce qu'on m'a fait. Le fond d'écran Opéra GX, les gars. Comment ça, le hashtag? Ça va, Colobody? Le hashtag dans le titre? Oh putain, bande de bâtards! Enlevez-moi ça! Attendez d'ailleurs, faut que je rajoute ça. C'est Drac! Il dit que je suis une TikTokeuse malade. Attendez, je baisse ça. Voilà. Bon, les gars! Les gars, regardez. Attendez, on va couper ça. On va vous faire écouter ça. Faire plaisir sur Ok. C'est le son de mon fond d'écran, de mon navigateur. Il y en a plusieurs, hein. Je me tape pas l'album d'Ainolis, hein. Malade, je sais pas dans quel sens vous demandez à Drac. Cet île-là, il est trop masterclass. Ah, mais les dessins sont incroyables. Pour ceux qui savent pas, Santo, du coup, avec plusieurs personnes, donc les dessins de Babou, ils ont fait un fond d'écran Opéra GX animé. D'ailleurs, j'ai pas écouté. Ok, ça c'est écrit normal. Avec les sons que j'ai écoutés dans mes RP, etc. C'est tous mes persos, du coup, ce qui est ici. C'est trop bien. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà.
voilà cette merveille. Donc grâce à eux, j'ai eu un gage. Et du coup, à cause de ce gage, je vais devoir me déguiser en avatar, de la tête aux pieds. Avatar, pas en avatar, mais avatar, genre bleu. Voilà. Non, il y a Rukia, il y a Rukia, je te jure, il y a Rukia. Il y a tous mes persos, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, il manque qui? Asma. Il manque la petite vieille. Enfin, c'est un perso temporaire, mais vous savez. Qu'est-ce que je voulais dire? Les gars. Oui, les mains, putain, c'est vrai. Les gars, du coup, déjà, vous voyez ce qu'on peut faire avec OpéraGX? C'est quand même incroyable, vous pouvez faire des fonds d'écran personnalisés. Vous en avez aussi des déjà faits que vous pouvez mettre, etc. Des sons. Vous avez AdBlock, ChatGPT, VPN intégré, comme vous le savez, je vous en fais la pub depuis déjà 3 mois. Donc n'hésitez pas, OpéraGX, les gars, c'est pour vous, c'est maintenant. Point d'exclamation, OpéraGX. Ça vous prend vraiment 2 minutes, vous pouvez le faire sur telle tablette PC. Donc voilà, faut télécharger en masse. Et on est en OP pour le Black Friday, les gars, avec SteelSeries. J'étais étonnée et hyper contente de collaborer avec eux, les gars. Parce que SteelSeries, c'est une marque qu'on connaît tous, qui est incroyable. Et pour vous donner le topo, point d'exclamation SteelSeries, vous aurez le site. Vous avez un code de moins 5% de réduction, en plus des réductions Black Friday sur le site de SteelSeries. Donc franchement, les gars, allez jeter un oeil parce que ça vaut le coup. SteelSeries, les gars, je vais pas vous mentir, mais il y a des promos de fou furieux. Attends, je vais vous montrer. Il est dans ma bio. Donc vous pouvez passer par ma bio si vous voulez. Hop. Sinon vous faites point d'exclamation SteelSeries dans le chat ou alors vous avez le minuteur qui les remet. C'est quoi ce fond d'écran de fou? C'est avec OpéraGX, c'est Samto qui me l'a fait, c'est incroyable. Du coup voilà, vous avez des promos, donc voilà tout ce qu'ils font. Vous connaissez déjà la famille. Attendez, je vous envoie ça. Partagez. Et aussi, comme vous pouvez le voir en dessous, juste en dessous, là en dessous ma cam, il y a un petit download. Donc on est à 14 downloads. En gros, le download, c'est quoi, les gars? C'est ça. C'est le logiciel SteelSeries. Donc vous avez des giveaways, vous avez par exemple un truc pour aider à l'aim, vous avez les trucs pour régler le son. Je sais qu'il y en a à qui ça a été très utile. Bref, c'est grave intéressant. En plus, vous m'aidez, du coup, parce qu'il faut faire monter ce compteur le plus possible. Normalement, on a une semaine pour avoir un objectif de 500 downloads. Je sais pas si on les atteindra, mais le but, c'est que tout le monde joue le jeu et télécharge. Vous avez juste à cliquer sur ce lien-là que je vais vous mettre en épinglé. Hop, c'est pas le même que le site. Ça, c'est en épinglé. Et quand vous êtes sur PC, quand vous cliquerez sur ce lien, vous verrez, ça vous aidera download, machin. Donc vous avez juste à télécharger, installer, ça vous prend 2 minutes. Et du coup, ça fait monter le compteur. Et là, pour le coup, il n'y a pas de délai. Donc, n'hésitez pas. Attendez, hop. Voilà. C'est bon. Nickel. Et voilà, ça m'a carré mon micro. Bah voilà. Donc, n'hésitez pas, franchement, c'est incroyable. Vous avez des giveaways aussi. N'hésitez pas, vous avez des clés de jeu, etc. Donc, voilà, les gars. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Moins 5% en plus du Black Friday. C'est vraiment, vraiment intéressant, les gars. Ok, j'ai entendu, oui. Donc voilà, les gars, donc nouvelle OP. N'hésitez pas, faut aussi faire monter. On est presque aux 200 downloads d'OpéraGX. Les gars, c'est vraiment incroyable. Et vous avez toujours, bien évidemment, les codes promo de Oli, qui sont pour vous, les gars. C'est cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas. Bref, passons. Attendez. Venez, on revoit ce beau fond d'écran. Il est incroyable. D'ailleurs, vous avez tous les persos dessinés sur mon Discord. Hein. Vous avez toutes les infos, tous les trucs. Voilà. Je vais fermer ça. J'espère que je vais pas bugger parce que j'ai mon disque C, il est plein et je sais pas ce qu'il y a dessus. J'arrive pas à trouver ce qu'il faut que j'enlève, les gars. Donc voilà. Voilà tout ce que je peux vous offrir aujourd'hui, la famille. On va mettre quoi comme son? Qu'est-ce qu'on va mettre comme son? Je sais pas quoi mettre comme son. On va mettre. Ça. On va baisser. Okay. Non, j'ai pas qu'un disque dur, mais regarde. Et pourquoi il est... T'as vu tout à l'heure, il était à 6. Il restait 6 gigas. Pourquoi il est passé à 4? Ah, c'est peut-être ça. Ok, c'est peut-être ça. Attendez. Ah! Je viens de comprendre un truc. Attendez. Je regarde un truc.
Là, je regarde le truc. Et oui, j'ai pas de place, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de place en fait. Attendez, je teste un truc pour voir si c'est ça. Mais ma baby. Mais je mets pas tout sur lui. Justement, je mets plus rien sur lui, mais il monte tout seul. Ok, lui, toujours. Ok, attendez. Hop. Ok, non. Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi. Ça enregistre des trucs tout seul. Oui, mais je mets pas de photos, j'ai rien sur mon ordi. Je mets rien. Le seul truc qui se met dessus, c'est les redifs quand je les télécharge, mais je les supprime à chaque fois et je les enlève de ma corbeille. Je la vide, ma corbeille, elle est tout le temps vide. My baby. Never ever make me crazy. Hop. Ah. Je comprends pas. Du coup, ça me fait bugger en fait. Le fond est vide, je viens juste de voir ça. Comment ça, le fond est vide? J'ai pas compris. Attends. Windows R. Fait. Alors attends, il est où le... J'arrive pas à écrire dessus. Ok. Temps. Ouais, il y a pas mal de trucs, ouais, il y a plein de fichiers. Je dois faire quoi? Et sub tout? T'es sûr? Il y a beaucoup de choses, hein. Tata qui m'appelle. À tout moment. C'est de ça que tu parles? Attends. C'est tout ça que tu parles. C'est ça? Putain, j'ai peur. J'ai peur de faire de la merde. C'est aussi des dossiers jaunes, hein. J'enlève tout? Même les dossiers jaunes? Ok. Ok. Donc il restait 4. Attendez, attends, mais il y a des trucs qu'il faut pas là. Non? Ok. Je supprime tout! Ok. Super. Parce qu'il y a des trucs, ça me dit, ça ne peut pas être réalisé. Je vais ignorer, hein. Allez, frère, je vais pas faire que ça. Ah voilà. Ok, attends. En train de finir. Je vais voir ma corbeille. Ok. Il reste quand même des trucs, hein. Mais corbeille. Ah ouais, putain, y en a des trucs. 503 éléments, les gars. J'étais... Il me restait 4 gigas, vous vous rappelez? Merci, Alita. Merci, Gohu. Merci. Ok, vous êtes prêts? Ça a changé.
ça, j'ai... Je vous gérerai un truc qui va pas. Bon, c'est pas grave, hein. Sinon, on va passer un bon moment. Non, mais... J'ai bien aimé le moment où on a réglé mon problème, là. Vous en faites pas, je verrai avec, avec mon père. Non, mais j'ai bien aimé le moment où... On va réinitialiser le PC. Ouais, on va éviter, pas maintenant, quoi. Ok. Ça t'attend d'être mon père? Putain, ma musique, elle est en boucle. Tu parles du nez, t'es malade? Ouais. Ouais, un peu. Un peu moins, mais un peu toujours. Comment t'as fait? Parce que je crois que j'ai le même problème. Bah, si j'y arrive, je te dirai. Je suis au café, viens. Je gagne pas des gigas, moi? Oh, waouh! C'est la neige, les gars! C'est la meuf, elle a la hype 20 ans après parce que c'est pas connecté depuis 6 jours. Non, en vrai, je me suis connectée il y a 3 jours, mais. Non, pas encore. Putain, les gars, ça me rappelle. Ça me rappelle Nora Jackson, les gars. Ouais, bah bon, voilà, ça rappelle Nora. Rappel de ouf. Et pourquoi m'envoie des fuck? Grosse connasse. Ah là là, Nora, quel personnage incroyable. Yo les gars! Ça dit quoi la famille? Ok, ça va mieux. Ça va, bonsoir. Je dois te parler, Ya. Hein. Mais il n'y a pas de souci, je vais faire en sorte de. Je vais voir avec lui, d'accord? Vous allez bien? Ya, très bien. Vous travaillez ici? Oui, bien sûr. Vous voulez quelque chose? Ah, bah non, j'ai ce qu'il faut. Si je vous prends un. Allez-y, mettez-moi 3 menus, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour l'instant, c'est juste trois, juste un soir unique. On attend la livraison qui va se faire aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Ça va. Mais j'ai je te soif tiens au surtout. courant, d'accord? Je suis avec ma nièce, la clocharde. À tout à l'heure, C'est Josiane. quand il pleut. Oh, c'est la clocharde! Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma nièce, comment ça va, ma petite chouchoute? Hypocrite de merde. Comment ça? Vous avez vu Ouais. comment elle est belle? Paul, Ya. Attends, je elle est belle, répète. hein? C'est toujours Allô? Quel Edward. menteur, elle est moche, c'est Hey, surtout how moche. are you? Ça va et toi? Ça va, t'es où? Je suis au café avec Tata. Ok, venez à la villa, on récupère la spritzer et on vous récupère. Ouais, je Je crois que vous je vais mets la prendre quand j'arrive. facture. Ah, de suite. C'est tout bon. Allez. Ah, vous me sauvez la vie parce que moi, quand je paye ma tante, elle me donne jamais les menus, donc.
C'est encore une de mon arnaque. Eh ben, merci beaucoup, monsieur. Bon courage, bonne journée. Allez, viens, à tout à l'heure, Paul. Qu'on y aille. À bientôt. C'est pas ta voiture, je suppose. Bah non, tu sais pas conduire. Bah, bah j'ai pas de voiture, surtout. Allez, viens à la villa. Mais non. Allez, cours, feignasse. Ah, il y a les pompiers. Ouais. Allez, allez, on court. Allez, talonnette. T'es en talon. Aïe, t'es en talon en plein hiver, grognasse. Et alors? Aïe, 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 aïe. Allez, viens. Non, si tu cours plus vite que moi. Et on a une dépanneuse qui est en train. Tu sais, j'ai hâte de quoi, les gars? De rechanger ma voix en RP. Elle est où, cette grenade? Mais t'es là? Oui, qu'est-ce que tu fais? Bah, je te cherchais. Bah, c'est pas là. D'ailleurs, tu sais qui m'a offert une poule? Qui? Pas toi. Déjà. C'est dans qui? Un premier temps, Olivia. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'as offert une poule? Parce qu'elle est gentille avec moi. Mais pourquoi? Ah, parce qu'elle a vu que j'étais peinée d'avoir perdu Flop. Et du coup, j'en ai deux, elle m'en a offert deux, c'est des jumelles. Elles s'appellent Pouce et Paquet. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce que t'as? Rien, rien, rien du tout. Attends! Elle veut voler ma famille en plus! Parce qu'elle est con. Ouais. On prend la spritzer. Ah. Ah là, ouais, là, là, oh! Ça va? Ça va, la famille? Comment ça va? Ah, ça va. Et beau ton ensemble en jean. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Bah, c'est cool, bah merci. Elle est belle ta tenue aussi. Merci. Ah, ça va, Ia, ça va, Jim. Ça va, toi, Siloa? Ah, Siloa, y a un truc qui cloche chez toi, Siloa. De quoi? T'as changé quelque chose? Non. Si. Je te jure que non. Ah, t'as pas ton dégradé, je crois. Si? Non? Non? Mais si, là, sans dégradé. Ah ouais, je vois des. Ouais, je vois des. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, ok, ouais, c'est bon. Ça va? Ça va, tranquillement, tranquillement. Je dois aller au scriptéo, là. Il y a Maggie qui m'a appelé, elle m'a dit qu'il y avait un problème. Oh putain, oui, un Maggie. Un gros problème. Un gros problème. Ah, vous êtes au courant? Attends, laisse la spritzer, Non, la spritzer! Adieu. Et aussi, il faut que je te parle par rapport à. Pourquoi? Personne t'a dit? Non. Vous avez les clés à Paragon, vous, ou pas? Non, du bison. Je suis pas sûr. Bah tenez, je vous donne une clé. Je la donne à qui? Aya, hein? N'importe. Allez, tiens. Regarde, Toko, tiens. Vous prenez 14 400 chacune, et allez, accompagne-les chercher du... Vas-y, Nick. L'acier. Là, on arrive. Allez, venez avec moi, les amis. Youhou. Comment vous allez en cette belle soirée qui se prépare, là? Ça va. Ça va super, et toi? Ouais, ça va. Au moins quelqu'un de gentil dans cette voiture. On est tous gentils, ici. Non, il y a une peste, ici. Ça doit être ça. Voilà, ça. Tu sais, qui tue des poules. J'ai pas fait exprès, je me suis assis dessus. Comment ne pas faire exprès de que ce soit une poule? Oui, bah. Il met trop bien la montagne, c'est tout. C'est bon, maintenant t'en as deux. T'en as deux poules. C'est bon? C'est vrai, Pouce et Paquet, elles sont très jolies. Et bah, génial. Ah, moi, s'il a tiré sur la meuf du scriptéo. Ah ouais? Maggie? Et sur son gars. Et il voulait pas la baiser, Maggie? Maggie? Il a fait ça quand? Hier. Et pourquoi? Parce qu'en gros, ils lui ont manqué de respect. Mais... Ah, j'ai envie de te dire, ça m'arrange, je suis en guerre avec... Avec qui? Bah, avec le scriptéo. Mais pourquoi? Je sais pas, il s'amuse tout le temps à me faire des blagues nulles et c'est saoulant, genre. Ça se passe avec Zizou?
Bah, ça te regarde pas, je fréquente pas Zizou. Et toi, ça se passe avec Olivia? Ouais, ça se passe. Putain, on peut pas lui dire, et toi, ça se passe avec tel et tel. Bah si, on peut lui dire. À qui? Tu fréquentes qui? Attends, ça se passe comment du coup avec Zizou? Mais ça se passe comment, Tata, avec Zizou? Il se passe rien avec Zizou, vous me laissez tranquille. Arrête de mentir, arrête de mentir, je suis au courant de tout. Comment ça t'es au courant de tout? Comment ça il est au courant de tout et pas moi? Je peux même te dire que Amos il a piqué Zizou parce qu'il était jaloux. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Attends, il se passe quoi avec Zizou? Il a piqué avec l'héroïne. Mais attends, la dernière fois qu'on s'est vu, tu voulais faire un truc et après t'as été discuter avec lui, il se passait quoi? Bah écoute, non, on n'a pas baisé. En gros, je... T'as vu quand on a vu son ex-femme? Bah, je sais pas, j'étais pas bien, tu vois. Et du coup, j'ai décidé d'en parler à Zizou et du coup, je lui ai dit, tu vois, parce que j'aime pas être malhonnête, tu vois, faut toujours que je dise la vérité. Mmh. Et du coup, ça s'est bien passé et tout. Voilà, et après, on s'est revus et on s'est embrassés. Et après, du coup, j'ai préféré dire la vérité. Zizou, le buveur de bière, attends, gros t'as, bide. T'as embrassé Zizou? Qui mange la coque. Écoute-moi, et t'es encore en vie? Comment c'est possible? Il y a trop de bactéries en lui. Je crois que j'ai encore de l'alcool dans le sang, mais ça va. T'as le Covid, là. Attends, d'embrasser Zizou. J'espère que tu le refile. Ah bah non. Cancer, même. Non, merci. T'as Ebola, t'as toutes les maladies, là. Ah ouais, là j'espère que je vous refile tout. T'as fait un test d'MST? J'ai rien fait avec lui, donc ça va. Ah oui, ben bon, juste avoir la voix buccale, je te jure, c'est suffisant. Zizou, c'est un MST en personne, hein. Je vais vous donner des thunes à chacun. Oui. Il faudra prendre du coup 10 compacts et 10 assez normaux. 10-10? C'est pas 10-20? Ouais. Si, 10-20. 10 compacts et 10 et 20 normal. Ouais, vous avez compris. Fais gaffe, c'est une barrière devant. Oui. Hop là. Bravo. Combien? C'est bon, du coup. Tu prends ça et tu prends 10 compacts et 20 normal. Du coup, t'es en couple avec Zizou? Je pourrais pas. Oui et non, en fait. On fricote. Sauf qu'après, bah, comme j'ai dit, je suis allé dire la vérité à Amos. Et du coup, il a pété les plombs et il est parti. La tête de l'école, embrasser, c'est pas être en couple. Tu embrasses oui, tu sais, c'est pas tromper non plus. Hein. Mais ah fais bon pas chier. Ah ouais? Ah, on a pas été à la même école, hein. Après, moi j'aime bien ton école en vrai. Attends. C'est vrai? Ah, je valide, hein. Ok, ouais, mais du coup, ça veut dire si tu valides, ça veut dire ta meuf. C'est gang. Elle peut aussi se faire tringler, c'est pas trompé. Non. Bah si. Dans ce cas-là, c'est trompé, dans ce cas-là. Ah, c'est que sucé, genre, ok. De toute façon, bon, bah, alors... Toko a raison, tu as tort, Ria. Voilà, ça c'est pour ma poule. Bah, Toko a raison, ça veut dire Zizou, il va se faire sucer. Et c'est pour ma sœur aussi. Ok, bah okay, si juste, il peut se faire sucer, attendez, je peux l'appeler lui dire. Juste s'il vous plaît. Et il faut vraiment que vous faites ça vite, ok? Vous achetez et vous remontez vite. Faut pas qu'on perde du temps, faut pas qu'on s'appelle pété, là. C'est bête. Surtout que bah, j'ai déjà plus d'armes, j'ai plus rien. Vous avez 0 armes là sur vous? Non, j'avais passé mon arme à Siloa quand vous avez fait avec les soirs. Et après on avait plus assez d'armes, quoi. Je sais pas pourquoi je vais là, moi, c'est un peu là. Je sais pas. Yolo Jack, il est là-bas. T'as retenu Tata, 10 c'est 20. Ouais, t'inquiète. 10 compact. 10 compact, 20 normal. Et on a l'argent même? Ah oui, je vous ai donné allez-y, faites vite. Allez, en courant. C'est 20 normal, hein? Ouais. Et 10 compacts. 4 radiages, ok. Vas-y, c'est bon. T'as dit quoi?
trou duc. M'as dit quoi? Je t'ai dit, t'en dis quoi? On voit Caravan. Je suis avec Eya et Toko, je finis un truc Caravan, et après je viens. On récupère les autres radiages et les titanes. Vas-y, et on y go là-bas. Ok. En gros, il me semble que là, à 23h, il y a les BMF, les SOA et les autres, les racistes, là, enfin les libertistes, les anarchistes. Et ils vont se battre pour Grabs. Ok. Donc nous, on va en profiter pour y aller. On est direct mis dans le bain. Y'a qui est pas armé là? Tata. Moi. Ok, donc t'es pas en couple avec Zizou? Oui, non, c'est compliqué à dire, je pourrais pas dire honnêtement. Ok. Et dans tous les cas, faut aider Amos parce qu'il est vraiment pas bien en ce moment. Comment ça, il est pas bien? Tu le sais, toi, Toko, ce qu'il a? Il explique à ce qu'il a. Ouais. Ah bah ouais, encore une personne qui m'a confirmé. Hein. Comment ça, il se pique? Moi, c'est Maggie qui m'a confirmé. Il se pique. Et à ce qui paraît, il y a même Xenia qui a confirmé ça. Ouais. Et pourquoi il se pique? Je sais pas. J'ai aidé, mais il est très très fermé, donc... Ouais. Bah après, normal. Tu tapes Zizou. C'est quoi? C'est quoi leur rapport? C'est quoi? Moi je me rappelle d'il y a quelques semaines, tu me disais je baisais avec Amos ce soir. Oui, mais sauf que Amos, il est à gauche. Zizou ne le fait pas. Ouais, enfin, il fait pas ou alors il est plus doué pour le cacher. Non, il le fait pas. Je te rappelle de la discussion qu'on avait eue juste avant que tu tombes dans ses bras là et que tu le galoches? Ouais, c'est vrai, mais tu m'as pas aidé. Du coup, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai paniqué, voilà. Femme je vais t'envoyer, va à tout de suite, tu vas voir. Femme faible. Ah, va à tout, tu vas voir. La pire soirée, tu vas passer. Je t'envoie, va à tout, tous les esprits sur toi. Non, moi c'est bon, y'a plus rien qui peut m'atteindre. C'est vrai en plus, ça. Je retiens ce que tu m'as dit, Eya, t'inquiète pas. Quoi? Femme faible, très bien, pas de soucis. Tu vas regretter. Bah oui. Vérifie tes doutes avant de te jeter là-dedans. Tu vas regretter, Eya, tu vas regretter. Tu peux pas commencer une relation avec quelqu'un en ayant des doutes. T'inquiète pas, Eya. C'est mon point de vue, hein. Mais bon, au final, j'avais quoi? Soit quelqu'un qui se pique ou quelqu'un qui boit? Vas-y, c'est bon. Juste par contre, Tata elle a pas d'arme, donc je lui donne le Glock et je récupère le Tekken, c'est bon? Vas-y, au pire, on arrive. Pourquoi t'as pas proposé que ce soit Tata qui prenne le Tek, je comprends pas. Et pourquoi tu poses cette question? T'es bizarre, toi. Quoi? Tata s'est tiré, hein. La question semble logique. C'est vrai. Vas-y, Tata, mets tes gants bleus. mets les gants de Liberty City, mais. Elle a pas la rêve, Tata, je pense. C'est trop une ancienne. Ouais, je suis vieille. Putain, Tata, tu te fais vieille. Ridée et tout. Hey, mais toi, ce soir, tu veux des baffes. Tu veux des baffes. Je suis de bonne humeur. Ouais, quand t'es de bonne humeur, tu me fais chier. Là, je suis d'humeur casse-couille aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Chacun prend un alliage chacun. On est juste un alliage. Alliage titane, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pousse-toi! À toi, pousse-toi. Tu mets la porte dans la tête de ta chaussure, Tata. T'as de la neige. Tiens, t'as un Glock.
T'as de la neige entre ton petit orteil. Hein. Bah, tu vas me l'enlever. Tiens mon pied. Oui, oui, bah alors là. Vas-y, pose-le sur la fenêtre. Attends, tiens mon pied. Tiens, vas-y, enlève-moi le bout de neige là, s'il te plaît. Et y'a. Pourquoi ? Ils sont fait fumer par qui ? Ah ouais ? Ouais, c'est bon, je vois. Ah ouais, chaud, putain. Ok, ben after, après, dans tous les cas. Vas-y, OP, bien vu pour l'info. Vas-y, mon pote. Les Nainfors qui sont fait fumer par les nurses. Alors ça... Oh... Ah, du coup, là, on va au casino, on va voler les véhicules là-bas. Mmh. D'accord, Arcos. Et toi, du coup, ça se passe avec Olivia ? Ouais, c'est cool. Désolé, d'ailleurs, hein, pour l'autre jour, la situation embarrassante. Un embarrassant, hein. Bah si, c'est un peu chiant. Non, enfin, c'est pas un peu chiant, genre, c'est un peu gênant, genre. Oui, mais bon, je suis là, elle est là, quoi. C'est un peu comme une activité à trois, quoi. Alors, c'est bon. C'est un peu bizarre, une activité à trois. T'es mon demi-frère, maintenant. Y'a rien. Et merci, ça fait plaisir que tu le prennes comme ça. En tout cas, Toko, Olivia est une femme ravissante, incroyable. Je suis ravie que tu sois avec elle. Je vais la baiser, elle. Oui, mais y'a aussi. Et on parle pas de moi, là. Elle dit ça exactement juste pour toute la haine. Bah non, pas mais du tout. Il n'y a pas de haine. Pourquoi j'aurais de la haine ? C'est bon. Non, mais elle te pique. Mais elle me pique pas, Toko. Je vais pas rester sur toi pendant 6 semaines, c'est bon. Mais je la pique pas, surtout, c'est vrai. J'ai eu une belle discussion avec elle. Elle m'a offert des poules. C'est bon, Toko, t'inquiète, t'es dans mon ancien livre. Non, t'es mon demi-frère à mes yeux. Y'a plus rien. Donc y'a rien de bizarre. Okay. T'inquiète, Tata, je prends pas mal. Mais c'est pas pour prendre mal. Non, y'a plus. Poubelle. 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 Non, placard, recyclage, poubelle, recyclage. C'est méchant. Recyclage, placard, recyclage. Placard du bas. Ah, recyclage. Non, y'a pas recyclage. Pourquoi recyclage ? Mais genre, en mode, tu recycles, genre ça devient un nouveau truc. Oui, mais pas avec toi, avec quelqu'un d'autre. Je recycle pour quelqu'un d'autre. T'as pas compris. Hein. J'ai pas compris, là, vas-y. Recyclage. Quoi, recyclage ? En mode recyclage, en mode. Avant, j'étais genre une bouteille, et après, je suis un stylo. Non, avant, t'étais une bouteille, et maintenant, t'es une bouteille à la poubelle, c'est tout. T'es la bouteille de quelqu'un d'autre. Du coup, je vais vite me mettre un plein. Ah, fuck you. Tu m'as dit fuck you, là, ou j'ai rêvé ? Ouais, je t'ai dit fuck you, ouais. Toi, fuck you. On m'en veut une position. Une bouteille. Silo avait récupéré dans le Camtar. Camtar, tu parles. Je vais laisser des chances à Moss. Là, il faut qu'on le punisse. On va quand même parler avec lui avant de le punir. Ouais, on va parler avec lui. Non, mais pour son truc d'héroïne, on va parler avec lui. Par contre, pour ce qu'il a fait au bar, en fait, il nous nique notre crédibilité, tu vois. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai fait comprendre hier. Ouais, tonton. Parce que il a attaqué le scriptéo. Le scriptéo, c'est un truc qu'on protège, tu vois. Donc, du coup, ben là, on passe pour des clouds. Merde. Donc, Je vais lui brûler son Puncar, là. Ah ! Ouais, son Argamos. Ouais, je vais le cramer. Attends, mais il se piquait l'héroïne. Ouais, je vais le cramer. C'est pas un peu... Okay, top 10-20. Est-ce que c'est radical pas rallumer une flamme ? Non. Je vais le cramer, la décision est déjà prise. Est-ce que t'as... des conséquences de ce qu'il va faire ? Oui, ben justement, j'irai plus loin. Si jamais c'est ça qu'il veut, ben je vais y aller. Mais là, le problème, c'est que j'ai dit, on le laisse trop faire. On peut pas. On a même pas sa version du truc qui s'est passé hier. On doit peut-être en parler. Silo, il était là. Oui, mais je veux dire, pourquoi, comment, il y a peut-être des trucs qu'on sait pas.
Sa version, c'est qu'ils lui ont manqué énormément de respect. De ce qu'il m'a dit. Qu'ils ont dit. Et du coup, dans ce cas-là, moi, je lui ai dit. Moi, je lui ai dit, si toi aussi, on te manque de respect, pour moi, je trouve ça normal. Après, je sais pas comment il a jugé c'est la situation. C'est pour ça qu'il faut peut-être en parler avec lui, en voir fait... ce qui s'est passé exactement dans l'ensemble, quoi. Là, je t'explique là, vraiment la situation concrète. C'est que tu connais tonton, il s'énerve ouais. pour un tout, pour un rien. Ouais. Il a sorti son pétard. Sauf que Maggie, il l'a pas pris au sérieux quand il a sorti son pétard. Il l'a menacé plusieurs fois. Il lui a dit Maggie, t'es sûr. Elle continuait un peu à. Voilà. Et derrière, tonton a répété un plan. Moi, j'ai essayé de le calmer. On est parti, on est sorti, on est monté dans la voiture, lui est descendu. Il est parti dans le resto, il a rafalé tout le monde. Voilà, là t'as la version complète. Il est fou. Je te jure, il est fou. Il est fou, mais faut être plus fou que lui. C'est ça le problème, c'est que. Oui, mais peut-être avant de faire ça, faudrait peut-être savoir si. Mais oui, pas, on va lui parler. Oui, on va lui parler avant. Mais le problème, c'est que peut-être je vois ils pas. Ont je eu des discussions, je sais pas avant. On ok, va lui mais qu'est-ce manquer de respect, tu vois. Ok, mais qu'est-ce qui va lui faire plus mal que de brûler son Argamos, Armamos. Ouais, mais ça c'est brûler de l'argent aussi, tu vois. Lui priver d'un cahu. La KU, il a rien à foutre de la KU. Il s'en branle. Il lui parlait de Noah. Il lui piquait sur ça. Il a rien à foutre de Noah. Je pense pas. Non, t'as raison. Il tient énormément à son garage. Mais bon, ça serait bête de s'attaquer à son garage, en vrai. C'est, je pense, tu vois, si tu bousses son garage, au contraire, il risque okay, de à part ça tomber encore dans la drogue. Genre quoi? Genre, c'est le seul truc qui le maintient Bah, je pense que moi, ça lui permet de rester loin de tout ça, tu vois. Loin de l'héros, tout ça, etc. Ouais, t'as pas c'est un peu genre un passe-temps, tu vois. Ça comme lui permet de respirer. Moi, justement, c'est une balle dans le pied pour lui, là. Essayer de combattre la chose par la chose. Essayer de trouver un moyen de. Avec la drogue, je sais pas. Faudrait le choquer avec ça. De quelle manière, je sais pas, mais. Eh ben, on le pique jusqu'à qu'il fasse une overdose. Malade. Il peut mourir. Ouais, bah on prend un médecin à côté. On prend un médecin, je te jure, je le pique jusqu'à qu'il vomisse, qu'il tombe de l'œil, cet enculé. Au pire, on le force à être dans un truc de désintox. Jamais. Il le fera pas. Ouais, je sais. Non, il faut. Hey, je te jure, il faut répondre au feu par le feu avec Amos. Non, faut le choquer. On l'enferme. Je te jure, je l'enferme, je le pique. Je le pique jusqu'à qu'il s'évanouisse. Mon père, il m'avait fait ça à l'époque. C'est hyper dangereux quand même. Tu te rappelles quand je fumais des clopes silois? Ouais. Il aurait dû te le faire à toi. En gros, papa, à l'époque, j'avais tiré une clope, il m'a enfermé, il m'a fait genre fumer, je sais pas, 40 clopes d'un coup. Merci Valo, ça va ou quoi mon frère? Tu cachais mal tes paquets toi aussi. Je fumais à peine. Ah bah regarde, aujourd'hui tu fumes plus. Ouais, je fume plus. Hein, du moins très peu quoi. Ah, je fume des joints des fois. Oui voilà, un petit joint de temps en temps quoi. Ouais, des joints. Ben on verra, mais oui, je suis d'accord avec toi, faut répondre au feu par le feu. Faut en trouver une manière, c'est potentiellement pas la manière la plus saine pour lui, mais au moins il sera choqué. Le seul truc que je me demande, c'est est-ce que il faut d'abord l'aider puis le punir, ou est-ce qu'il faut le punir puis l'aider? C'est le seul truc là qui me. Moi je pense qu'il faut quand même lui tendre la main au début. Et si on voit qu'il a mort, c'est là où on va répondre avec la punition. Il marche pas à la gentillesse à moi si tu le sais, en fait, ça qui me fait chier. En fait, je dis pas de la gentillesse. Mais je suis d'accord avec Eya, juste simplement creuser de pourquoi il en est venu là, pourquoi. Parce que la dernière fois, j'ai eu une discussion avec lui. Hein. Je l'ai pris dans un coin, je lui ai demandé si c'était la vérité ou non, il a complètement nié. Il m'a dit non, assurant que c'était pas la mienne, patati, patata. Alors que j'avais quelques vérités. Mais j'en étais pas sûr. Là, actuellement, j'ai deux personnes qui me l'ont dit. Sinon, moi, je pense que la meilleure. C'est pas depuis la cérémonie en vrai? Ça, je sais pas combien de temps ça fait. Mais là, en 48 heures, j'ai déjà eu deux personnes qui m'en ont parlé. Donc on va dire que déjà, ça fait 40, peut-être 72 heures, je sais pas. Les Orcos. Les gars, on n'oublie pas. Après, pour moi, l'attraper comme ça, maintenant, lui dire voilà, l'héroïne, patati, patata. N'oublie pas, les gars, si vous voulez aider. Moi, je pense que le meilleur moyen de l'attraper, c'est que j'ai... Cliquez sur le lien que je mets dans le chat, là. Et Xenia. Installé. Et télécharger, ça vous prend 2 minutes et ça fait monter le petit compteur, là. Qu'on monte le plus haut possible, les gars. On essaie d'atteindre les 50, ce serait incroyable. Elles me préviennent. Et on va intervenir sur ce moment-là. On va l'attraper et c'est là où on va le choquer. Je vais voir, mais je vous le dis, si ce monte pas raisonnable... On a un objectif de 500 DL, ça va être très dur à obtenir, mais ça serait incroyable.
En vrai, ça peut, être un... ça peut être un bon moyen aussi. Je lui mets une pression sur ça. Je vous le dis à vous, non, je lui mettrai pas de pression sur ça. Moi, mon meilleur goût, c'est pomme. Là, je vous écoute. Moi, à la base, pomme, je voulais juste brûler son garage. Vous me dites, on trouve une meilleure solution. Je vous écoute, ok. Mais si jamais je vois que ça marche pas, ben, je brûlerai son garage. Ok. Voilà. Ça peut se tenter. Ouais. Tout le monde a tout là. Parfait. Bah, pour le labo. Tu leur as dit hein, par rapport à la discussion qu'on a eue avec les. Avec qui les Recon. On en parlera. Ah oui, ça finit comment? Ça finit comment ton truc là avec les raccoons là? Ah oui, je l'avais chopé, je l'ai tabassé, je l'ai récupéré sans Glock. On laisse les voitures ici, Jim. On va voler les voitures ici. Bah, en fait, je pensais que il fallait que je le récupère par rapport aux deux céramiques. Au final, non, j'ai fait le con. Et tu l'as rendu? Ouais, ils l'ont récupéré. Ah, ils vous ont attrapé? Ah, c'est eux qui l'ont récupéré, ouais. Salope, j'ai une discussion avec eux, etc. Forcément, tu sais, j'avais pas non plus envie de rentrer dans un cercle vicieux de on leur prend une arme, ils nous prennent une arme, on leur reprend, voilà. Tu vois. Oui. Hier soir, on a eu une discussion avec eux, on a mis les choses au clair. On leur a dit que, bien sûr, un jour. Ils vous ont attrapé comment? On était à une soirée aux favelas. Ils sont passés, ils nous ont attrapés quand on est sortis. C'était combien? Ils étaient 5. 4, 5. Ok. Bon, vas-y, go, on parlait sur la route. Voilà. Prenez l'oracle et on va prendre une voiture de place, nous. Allez-y. Ça va, les filles? Ça va, et toi? Ouais, et vous sentez comment, vous, hein? Bon. Surprise. Il y a un ton à côté de moi, quoi. Dans le bison, là. Tata. Quoi? Ouais. Moi j'ai récupéré ma part. Hey, tout bon, monde là, bon, direct part, là, c'est bon. Moi j'ai rien. Hein. Tout le monde a... Ouais, tout le monde. Ah, non, je parle de Yann et Tata. Ok. Un alliage, 20 de acier, 20 de. Et Yann, Tata, vous avez votre truc? Non, oui. Ouais, c'est bon. Il t'a donné des balles avec le Glock? Tata? Par là. Oui. Ouais. Mais j'ai une boîte de mine. Ok. Et du coup, ça va? Bah, moi, ouais, ça va. Oh, bah, oui. Tranquille, hein, y a juste un ton devant moi, mais ça va. Y a juste ton ton devant moi? Oui. Tu tapes Zizou? Mais quoi? T'es sincère, gars, là? Quoi, j'ai rien dit? Bah, si, t'as vraiment dit clairement, là? Non, y a un ton devant moi, je parlais de Eya. Tu flirtes avec Zizou? Non, je ne flirte pas avec Zizou. Jure? Je ne jure pas. Pourquoi? Je n'aime pas mentir. Tu flirtes à quel point? Oh, Eya, comment ça va? Non, Zizou. Non. Vous êtes embrassé et tout? Peut-être. Quand ça? Il y a 3 jours. Mais tu flirtais pas déjà avec Amos? Non, j'ai une discussion avec Amos. Hmm. Oui, mais c'était une discussion où tu l'as envoyé des trucs en forme de bite. Non. Non. Si. Mais attends, je suis pas au courant ça. Mais si, non. Elle lui a envoyé des trucs qui avaient une forme de bite et elle disait ça me fait penser à toi, à ta bite et tout. Mais non, ça c'est mon art. Bah, Amos il m'a dit ça, moi je sais pas, j'ai pas vu les photos que tu lui as envoyées. Mais non, moi je fais de l'art en photo et c'est juste des photos d'art. Ben écoute. Sois patient, écoute, bah... utilise tous les réseaux et. Ah, c'est cool, juste. Ah, il est cool, Zizou en vrai. Et fais ça. Oui, il est gentil. Ah, c'est smoking. Et toi, t'en es où d'ailleurs? Bah, moi, écoute, bah là, on fait tranquille, bon, petit labo d'arbre, on va fabriquer petit AK-47. Non, mais je parle pas de ça. Ah, je parle pas de ça. Ah non. Ok. Je parle de ta femme. Parce que là, on doit faire péter une AK-47 là pour les balas. Eh, le cap, il a dit, j'ai géré les colliers. Ils se mettent bien les balas. Il a dit, j'ai géré les 10 balles. Ouais. Avec là, hier, j'ai fait partir 3 AK-47. Pfff. C'est tout, c'est pas assez. Ouais. On était sur une maigre semaine. Oui, bonsoir. Vous pouvez venir voir s'il vous plaît un instant? Ouais. Je vais venir vers moi. Vous allez dire quoi là? Des AK-47, moi j'arrive. Vous allez me faire partir quoi pour les balles? Le prochain convoi, je débarque avec une AK-47. Des caca, ils m'ont commandé 47 caca. 47 caca, c'est bon. Oui, ils veulent faire une soirée scatophile. C'est fait maison? Ouais, on les fabrique. En famille? Ouais. En famille. C'est une entreprise familiale en plus. C'est ça. C'est bien. Bah, lâchez pas le caca alors. Ben bah, merci. Bonne soirée. Au revoir. Ça tombe bien, il y a la cagagne ce soir. La cagagne? C'est quoi la cagagne? Ah, tu sais pas ce que c'est la cagagne. C'est quoi ça? Est-ce que. Est-ce que. Là, j'ai peur. T'as vu?
Non mais j'ai entendu que les règles des filles, elles synchronisent quand elles sont vraiment trop besta. Quoi? Non, c'est pas vrai ça? Non. Non, sérieux? Mais oui. Non, en gros c'est parce que tes règles elles arrivent tous les 28 jours à peu près. Et du coup au bout d'un moment, bah forcément les 28 jours ils sont décalés tous. Ah non, parce que si jamais toi c'est pile tous les 28 jours... Oui, et mais que c'est pas pile, c'est jamais pile. Genre des fois il y en a, ils vont avoir du retard, d'autres d'avance, et du coup au bout d'un moment, bah il y a une semaine où ça va être pareil en gros. Ok, non. D'accord. Ah, je croyais que ça se synchronisait, moi. Non, non, il n'y a pas de mise à jour sur les règles. Ok, vous avez déjà eu vos ragnagnas en même temps, là, toutes les deux? Bah, on se demande pas, quoi. Ah ouais? Bah, vous dites pas, ouais, t'as pas un tampon? Eh, hey, tata, quoi? T'as fait la mise à jour des règles du 12, là? Non, oui. Non, fais pas ça. Ok. Attends, je vais où, là, moi? Putain, mais je vais où? Du coup, camion. C'est quoi la cagagne? Parce que t'as pas dit. Bah, la cagagne, c'est... C'est la chiasse. Ouais, c'est la chiasse. Je connais pas. Bah moi non plus je connaissais pas, mais en vrai ça s'entend, c'est ça. T'as parlé de caca juste avant donc ça va vite quoi. Ouais. Mais du coup à la base je te parlais pas d'AK-47 mais de ta femme. Bah Tu lui as parlé? Ouais. Ouais. Comment ça se passe? Bah Ça fait longtemps qu'il neige là? Comment ça se passe avec ta femme? Ça fait combien, mais ça fait combien de temps qu'il neige là? Parce qu'avant il y avait de la neige mais elle tenait pas. Ça fait deux jours là qu'il y a de la neige au sol? Ouais. Oui. Vous avez pris des pneus neige? Jim. Oui. Tu changes de sujet. Comment va ta femme? Ouais, parce que ça glisse. Jim, regarde, t'as parlé avec Brenda? Oh là, ça fait que glisser. Tu vas divorcer? Je sais pas. Hein. C'est bon. Tu lui as parlé? Ouais, je lui ai parlé mais elle m'a fait promettre de pas dire un truc donc pour l'instant je dis rien, c'est pas contre toi. Ah, donc moi, j'ai pas le droit, mais toi, tu dois me cacher des choses. Elle est enceinte. Quoi? Ouais. Ouais. De toi? Oh, le pauvre gosse. Non, d'Amos. Bah, on sait jamais, hein, tu sais. Non, enceinte. Et du coup, mais je l'ai dit à personne à part vous deux, là. Il y a que vous deux, moi et Siloa, qui est au courant. Tu veux être cet enfant? Attends, mais... Je sais pas. Attends, non, on en parle sur le retour. Wow. Comment j'étais vif? T'as vu comment j'étais vif ou pas? Bonsoir. On vous a même pas entendu par contre arriver. C'est normal, on m'appelle Pacha. Elle a dit le pauvre gosse. Oh okay. Putain, mais comme par hasard. Elle les a mis au boulot. Deux de chaque un moule. Attends, t'as dit quoi, doucement? Deux de chaque. Deux de chaque un moule. Et un moule. Ok. T'as capté? Ouais, j'avais tout compris, t'inquiète. Je savais, toi. Bouteille. Mais moi, ça m'est manqué de jouer. On va mettre une musique qui bouge un peu plus là, parce que vas-y. Ah oui, d'ailleurs, Jim, que tu sois au courant, il y a une petite embrouille là avec. Mais t'es pas au courant des BMF toi avec le labo et tout là? Non. Il y a Tonton et Toco qui sont fait allumer par les BMF juste devant la porte du labo là en haut. Sérieux? Ouais. Sûrement celui avec son pompe. Et les BMF missionnent les North Nation pour tourner autour du labo. Ça fait plusieurs fois qu'apparemment que les raccoons croisent les North vraiment à côté du labo. Et ils leur demandent qu'est-ce qu'ils font là. Ils disent... Mais ils vendent pas ici, il n'y a pas un bail de... Non, ils l'ont dit, ils ont dit mot pour mot qu'ils surveillaient le truc. Tu te fous de la gueule. Non. Vraiment. Faut pas que ça fasse comme le labo du Nord. Hein. Ouais. Mais ils sont au courant qu'il y a un labo d'armes ici, etc. Ah, mais dis-toi, en plus ils tournent, mais genre vraiment devant. Ah, ouais, ils prennent leur buffalo. C'est vraiment les trucs de con. Hein. Attends, mais il faut qu'on en parle aussi, du coup, des MOB qu'on pète à Amos. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, en vrai, c'est en train de bosser les MOB. Trop de trucs chez moi. Ah. On va aller voir les North. Débrouille-toi.
On laisse passer ça, tu penses, toi, pour toi? Voilà, tu vois, c'est ça ton problème. Je pense que c'est pas la priorité pour moi. On gérera. Ça va te faire foutre rien. Pour moi, ce genre de truc, t'as vu ça, il faut vraiment les punir. Ouais. Même si ça s'est bien passé, tout ça, etc. Tu vois, je veux pas dire le contraire. Ah, mais le problème, c'est qu'on a pas le fond de l'histoire. On sait pas exactement du pourquoi, du comment et pourquoi tonton a dit que. Si ça se trouve, il y a eu un arrangement. Si ça se trouve, il y a eu un truc. En fait, on peut pas s'en prendre à eux tant qu'on n'a pas la totalité de l'histoire. Parce que là, imagine, on attrape les mobis. Si ça se trouve, les mobis, ils vont nous dire une histoire et on est même pas au courant de la vérité. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, c'est juste que. Quand t'as juste le contexte, ben, c'est relou, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais pourquoi j'en ai plus que 4? On passe en fait pour. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est quoi? C'est que la BMF vont missionner des personnes comme ça pour s'attaquer à nous. Et après, quand on va s'attaquer à eux, aux personnes qui nous pètent, ben, ils vont pas être là pour les soutenir. Bah, en gros, j'ai fait les canons et j'ai fait les poignées, mais j'avais pas de place sur moi et du coup, bah, j'ai plus le. Enfin, j'ai quand même plus l'acier compact. J'en ai plus que 4. Mais j'ai pas les trucs. Ah ouais, t'as tout baisé. Putain. Ah ouais? Bah ouais. Parce que j'avais trop de trucs sur moi, enfin j'avais pas de place. Et pourquoi ça m'a quand même pris ça? En principe, non, c'est pas censé, c'est pas censé le faire. Parce que là, il te reste quoi? Bah là, il me reste 4 compactés. Et t'en es où? Tu dois faire quoi? Bah je dois tout refaire parce que du coup, ça m'a rien donné. Ah. Tout refaire? Oh, ça t'a rien donné du tout? Non, non, ça m'a rien donné parce que j'avais pas de place dans l'inventaire. Oh putain, dans l'inventaire. Ouais. Y'a pas de place dans l'inventaire. J'ai un inventaire, attends, je le sors. Oh là papa, là, il fasse ça, papa, bah, peut-être. Je suis baisé là. Elle a niqué toute la prod. Mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Ouais, bah c'est toi aussi, t'as un appartement dans tes poches. Bah ouais, par contre, ouais, abuse. Oh. Surveillez le bac. Attends, elle a niqué toute la prod. Ouais, elle a rien niqué. En fait, elle a niqué 6 titanes. Non, enfin, de moules, on en fait 15. Non, 6, je sais pas quoi, assez, 15. Compact. Assez compact, mais normalement, j'étais pas censé les perdre. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Assez compact, c'est rien du tout. Bah, nique ça. Tu devais faire un Glock. Deux. Ah, tu dois en faire deux. C'est pas grave. Là, tu peux pas en faire un quand même? Bah, non. Ah non, il en faut 5. Et ouais. C'est pas grave. Il te faut 5 et 10 pour un Glock. C'est pas grave. L'essentiel, c'est construire une famille. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis pas. Normalement, c'est censé me les laisser. Le bâtard. Mais normalement, je suis pas censé les perdre. C'était les deux Glocks pour nous, là. Parce qu'il y a 6 Glocks qui vont partir au ballast. Bah ouais. Mais je comprends pas pourquoi je les ai plus. C'est des écouteurs de merde, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Ça va, on va se refaire. On est une famille, Jim. Ah oui, ouais, c'est pas grave. C'est que du matériel. Ouais. Exactement. C'est que du matériel. De toute façon, c'est que deux Glock. De toute façon, c'était pour nous, c'est cadeau. C'était vraiment les Glock pour nous. Après tranquille, je me fais un chez vraiment. C'est pas grave. Oh, c'est rien. Oh, c'est rien, 80 000 $. Après, techniquement, je suis censé les avoir, mais. Oui, techniquement, ouais. Techniquement, quoi. Ah, c'est la famille, Jim. C'est pas grave, on te donnera la caillou, Yann. Tu m'en tapes 5. T'as dit quoi, Yann? J'ai dit tu m'en tapes 5. 5 quoi? Ah, 5, tu m'en tapes 5. Après, parce que là, je suis allongé, là. Ah, ok. Et t'as vu ça? Quand les keufs, ils disent, mettez-vous au sol, au sol! Au sol! On dirait une grenouille, hein. Ouais, tu mets tes genoux au sol, au pire c'est bien aussi. Les gars, c'est pas ma faute là. Eh, c'est un bug serveur, normalement je suis pas censé ne plus les avoir vu que je peux pas le faire. Au sol, t'es pas totalement ça me les supprime alors que je peux pas les faire. Tu t'allonges au sol. Ah, moi je suis censé encore les avoir, c'est juste censé me dire que je peux pas le faire. Ok, c'est bon, j'ai tout.
Eh ouais, mais aussi je suis arrivé, on m'a dit voiture, non, j'ai même pas eu le temps de parler. Ah, t'es bien, non ? En vrai, ça cale, hein. T'as pas le sang qui monte un peu la tête ? Non, ça va, là. Enfin, attention, ça va arriver bientôt. Je sais un truc. Ah. Et qu'est-ce que t'as ? Je m'étire. Ça va pas ? Je t'envoyais Vatou. Ouais. Dans la bouche de ton mec, Vatou. C'est bon, tout le monde, Vatou. Allez, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je surveille. Une caméra Valkyrie. Attention quand tu montes. Je sais pas, j'ai pas de pièce, mademoiselle, arrêtez de me parler. C'est bon ? Ça, c'est du boulot discret, ni vous ni connu, tu vois. Ouais. Faut monter, Jim, tu me pousses. Vas-y. Ok, du coup, on peut reprendre. Donc, t'as aidé à lui parler ? J'ai pas envie d'en parler. Ok. Et tu lui as dit que... Que je voulais divorcer ? Ouais. Ouais. Ah. Et elle m'a dit ça. Et t'es sûr qu'elle dit la vérité ou c'est pas pour te retenir ? Non, j'en sais rien du tout. Elle m'a juste dit ça, je pense que c'est un truc de chien de dire ça pour retenir, non ? Oui, mais elle se dit peut-être que c'est un truc de chien de divorcer 3 semaines après s'être mariée. Ah oui, mais en même temps, je la vois jamais, je vais... Non, mais t'as raison, mais ce que je veux dire, c'est peut-être qu'elle a fait ça pour te retenir, parce qu'elle veut pas que tu partes. Tu sais, des femmes, c'est des psychopathes, hein. Je sais pas, non. T'as dit quoi, là ? Je lui ai dit, t'es sûr ? Je lui ai dit, est-ce que t'es sûr qu'il est de moi ? Elle m'a dit oui, elle avait l'air sérieuse, quoi. De toute façon, si elle est enceinte, est-ce que tu veux de cet enfant ou pas ? Est-ce que je veux de cet enfant ? Non. Alors il faut que tu lui dises la vérité. Ouais, mais... Je sais pas. Si. Aïe. Si tu n'as pas... Ah, génial. Faut que tu sois honnête, elle a raison, Tata. Oui, il faut que tu sois honnête, parce que plus t'accumules tes mensonges, plus le revers de médaille va être horrible. Non, mais c'est pas un mensonge, je sais vraiment pas. Mais tu gardes pour toi. C'est en fait, je le veux pas et je le veux en même temps, ouais, mais je lui ai dit. C'est juste que j'ai pas de réponse à lui donner parce que j'en sais rien, tu vois. Genre, une partie de moi qui le veut et une partie de moi qui le veut pas, quoi. Pourquoi tu le veux, pourquoi tu le veux pas ? Ah, je le veux parce que je sais pas, c'est cool un gosse, tu vois. Oui, c'est cool un gosse, mais c'est vrai que oui. Voilà. Et pourquoi je le veux pas ? Parce que vu la vie qu'on mène, je pourrais pas lui offrir des bonnes conditions de vie, tu vois, à ce gamin. Et est-ce puis que... elle compte faire comment ? Enfin, elle va être présente pour l'enfant ou elle va être comme ben ouais, avec c'est toi ? Ça. Elle est partie chercher les Irlandais ou je sais pas quoi. Alors qu'elle est enceinte. Pour ça, je me suis embrouillé avec elle, hein. Eh ouais, tu vois, c'est dur. Je pense qu'il n'y a pas de solution évidente. Moi, je pense qu'un enfant, dans la situation actuelle, c'est pas bon. Bah ouais, mais bon, t'imagines, là. Mais ouais, il a peur d'avoir des regrets, c'est normal. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, mais est-ce que le regret, après que l'enfant lui arrive des choses, parce qu'on fait des trucs pas très bien, ce sera pas pareil, tu vois. Ouais. Elle a dit pareil à ton père quand ta mère était enceinte de Eya.
Non. Elle voulait, il voulait pas la garder ? Non. Ah. Merde, hein. Elle regarde au final. Au final, tu vois. T'imagines s'il avait avorté de Eya, comment on aurait été deg ? Bah, elle aurait pas tué ma poule, quoi. Aujourd'hui, vous avez deux en plus. Elle n'aurait pas tué ma poule. C'est vrai. Ah, c'est pour ça. Plop serait encore en vie. Tu vois, j'ai envie. J'ai pas envie de faire le. J'ai pas envie de faire le walk, mais bon, c'est dans ses mains à elle, quoi. Tu vois, je peux pas lui forcer à le garder ou je peux pas lui forcer à avorter, quoi. Moi, je vais lui dire. Oui, c'est normal, ça. Ah, c'est pour ça. Et il faut que tu lui dises ce que tu penses. Ouais, mais je sais pas ce que je pense. C'est ça le problème. Ouais. Après, tu es quand même libre de ce que tu veux. Si au final, tu ne veux pas l'enfant, tu ne veux pas. Si elle veut le garder, elle le garde. Je m'en occuperai pas, quoi. C'est ça. Quand même. Un week-end sur deux, quoi. Allô ? Ouais. Vous déposez au camion ? Ouais, bah oui, le truc que vous avez fait. Ouais, ouais, bien sûr, là, on y va, là, on y va, là. Vous êtes bon. On a, il y a eu un petit contretemps, là, mais c'est bon, on y va, on arrive au camion, là. C'est géré ? Ok, vas-y. Ah, c'est bon, c'est géré, vas-y. C'est où le camion, déjà ? Petit débat. Ouais. Ah ouais, parce que moi, je sais pas où il est, hein. Le tournage de cinéma. Oh, il a été changé, ça a été cramé. Ouais. Bah du coup peut-être que la personne à qui tu devrais en parler c'est papa. S'il a été dans ta situation. Après... Hey, papa il est fou. Ouais, papa, il vient de votre mère quand même. Hein. Comment ça ? Ah, t'es au courant, ah, oui. Ta mère. Ouais, je oh putain, j'ai cru que t'étais pas au courant, je... Si. Ok. J'ai cru que ça allait être nous, on allait devoir l'annoncer. Non, je suis courant. Oh, il nous suit. Il est fou. C'est un peu gratuit quand même. Après, il va me doubler. J'aime pas quand on double. Ça s'appelle de l'ego, ça. Hein. Ouais. Allô. Ouais, y'a un truc, attends, je me posais une question. T'as toujours l'alliage ou t'as plus l'alliage ? Si, j'ai, c'est juste. Ah, t'as toujours les deux. T'as toujours les deux d'alliage, on est d'accord. Enfin, le. J'en un alliage, oui. Droite-gauche. Vas-y, bah. Okay. Gauche. Bah, ouais, mais remets-le dans, à gauche, dans le camion, c'est bon. Non, à droite. À droite ? Je sais pas, en fait, je sais pas. C'est bon, y'a un. Envoie la poste, je sais pas exactement où c'est. Ah. Bah j'y suis plus. Attends, bah j'y peut-être repasse. Non. Là, peut-être là. Il y a Toko qui arrive sur la pause, il va voir. Non, de l'autre côté, Jimmy. Vas-y. Jamais compris c'était quoi à gauche. Ah, c'est un parking. Là ? Ouais. Ouais, tout droit. Ah, ouais, tout c'est droit. Un parking en fait. Une piscine abandonnée. Ouais, mais en fait, c'est un parking. T'as vu, il y avait des places de parking. Tata, à gauche. Le pire quand même, c'est là, je savais que c'était à droite, mais je sais pas, j'ai confondu ma gauche et ma droite pendant un instant. Du coup, je passe ça. Hein. Ok. Comment ça, la tenue ? On a que 115 000 dollars. C'est pas beaucoup, hein. Reprends tes conneries, là. J'ai posé des trucs. Ok. Il y a eu une annonce SASP Nord qui me concerne, vous l'avez vu ? Non, j'ai pas vu. Non. Oui, Olivier. Ça va et toi ? Oui, Olivier, dis-moi. Ben, écoute, finis un truc et si tu veux, je viens te raconter, ok ? Vas-y, à tout à l'heure.
soir les amis. Là tu m'as fait peur. Allez, venez, venez, on change de voiture. Attends, je vais juste la garer plus loin. Descendez les filles. Déposez du coup ce que vous avez pris. Hein. C'est fait. Vas-y, au pire. Ils se font la guerre pourquoi là les deux là? C'est les trois, il y a BMF, SOA et les Recon. C'est pour Grapsid. Et je crois que c'est Raccoon. C'est... Ouais, attends. Oui, c'est Raccoon, BMF et SOA. Et pour... Ouais, t'as dit Recon. Et pourquoi nous on se fait pas la guerre pour Grapsid nous? Je sais pas. Aïe! I'm not the tribal chief. Bah si je suis pas là, faut que je prenne des décisions hein. En soi, on ouais, a récupéré un territoire. Mais est-ce que ça nous intéresse vraiment des territoires comme ça en vrai? Non, en vrai, Grapsid, bah les couilles. On préfère, je pense que c'est mieux de viser Vainux, etc. Tu vois. En plus de ça, on pourrait faire les fils de pute. Et genre, vu qu'il y a les SOA qui participent à cette guerre, bah essayer d'attaquer demain Vainux pour bien les enculer. Je vais aller voir les Norse. Appelle Silo, dis-lui que j'y vais. Vas-y. De toute façon, lui, bah, il gère les ballasts, là. Non, derrière. C'est... Ah non, c'est Surinus. Oh, doucement, doucement, la priorité... Pardon, pardon. Pardon. Hey, toi, la moula. Les gars, on n'oublie pas. Télécharge en masse. On a juste à cliquer sur le lien. Appelle à Norse, dis-lui que, dis-lui qu'on arrive. Vous installez, vous téléchargez, vous installez, ça vous prend 2 minutes. Vous faites monter le petit compteur là pour style service, les gars, c'est important. Merci, merci ceux qui le font. Clébest. Il ne répond pas. Tu veux ton portrait? Oui. Appelez le chef des Norse, s'il vous plaît. Ok. Ou un grand, ou une grosse tête. Ils répondent pas. Il me semble qu'ils se sont tirés dessus avec les Bloods. Qu'à un moment, ils sont à l'hôpital. Ah ouais, personne? Ah, j'ai un numéro qui sonne. Ah, on me raccroche. Aïe! Mais ça va pas? Pourquoi t'as fait ça? ça me raccroche. Ça tout le monde qui me raccroche, hein. Je pense que c'est un peu dissipant. Vous voulez que je leur demande? Il a dit appeler un grand délire. Ah, attends, ça m'appelle. Allô? C'est pourquoi, monsieur? On est dans ton quartier, on aimerait bien vous parler. Hein. C'est les phonotis. Vas-y, on a un truc, on arrive. D'ici combien de temps? Aïe. Ils arrivent, 5 monsieur. Minutes. Dans le dos, grosse traître. Vas-y, OP, vas-y. Ils arrivent dans 5 minutes. Aïe! Du coup, bah, vous voulez habituer. The fuck? Ouf, ça va lui tirer. Faut lui retoucher la tête. J'ai vu des nuls là, putain. Pourquoi je buguais à chaque fois? Aïe! Ça va, Jimmy? Et ça va. Qui t'a fait ça? Son peu... Je sais pas. Les grands, ils arrivent. Ça marche, merci, c'est cool, c'est gentil. Ah, c'est ça, ouais. Loseuse. Connasse. Aïe! Ah, c'est trop chiant.
C'est trop bien la neige, pourquoi il neige pas tout le temps? Aïe! Mais c'est trop dur de... Aïe! C'est trop dur de toucher les boules de neige! On peut faire des bonhommes de neige aussi. Mais ça va pas? Je vais la faire câbler la tata. Sur le front. Hein. Quoi? Quoi? Arrête, attends, c'est pas pour toi. Attends, arrête tes bêtises, arrête. Attends, attends, c'est bon, sérieux, sérieux, sérieux. Ça va quoi, Basmac? Dis-lui d'aller réparer la voiture là et de récupérer l'impaleur. Ouais. Qui voulait nous voir? C'est nous, je crois que c'est eux. Ouais. Toi? J'ai même pas vu. Oui, ça va, et où? Il est où, votre chef? Il arrive, il arrive. Ah bah, il est là ou il arrive? Bah, c'est pareil, tu peux parler quoi. Tu veux parler? Non, après, ouais. Après, je dois me répéter si jamais il est pas là, c'est chiant. Ah, mais Darnell, il est pas là. C'est bon, c'est bon. Dans tous les cas, là, c'est soit c'est Gopo, Lamine, moi et Roga qui prend la relève. Vous êtes combien de chefs là? De combien de sous-chefs? On est des grands, on est des grands. Ok, on peut se parler entre grands? Ouais, ça va. Si tu veux, ouais. Allons, viens. Merci. On se met à l'écart. Oh putain Noah, t'es où? C'est votre couleur le blanc? Non, on s'adapte à l'hiver. On n'a pas de couleur, on peut s'habiller en noir, en vert, en rouge. Quand tu fumes toi? On s'en fout un peu. Hein. J'ai toujours fumé des cigarettes. Vous adaptez à l'hiver, c'est-à-dire? Ok. Bah là il neige, il fait beau. Pourquoi? Moi j'aime la neige. Des cigarettes? Donc, non. Non même pas. J'aime la neige. Tiens, si tu veux je t'en donne une. Non, non, ça va aller, elle fume. 20 juin. Un peu coloré, un peu blanc. Encore moins, encore moins. Oui, bah c'est rouge et blanc, mais moi j'aime pas le rouge, moi. Non. Non. Bah il est rouge et blanc, regarde lui. Moi j'ai mis des couleurs. Il était pas mon dealer. Tiens. Vous bossez avec les BM et vous? Ouais, calmez-vous avec les voix, calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est un humain, c'est un humain. J'ai l'air de bouger, s'il te plaît, les petits. Y'en a pas, y'en a pas là. C'est pas un petit, c'est. Ok. J'ai cru comprendre qu'il vous demandait de surveiller un endroit bien précis. Ah merde. On va voir ailleurs, Cameron. Ouais. Stagiaire. Un endroit bien précis, c'est-à-dire, ouais. À l'aéroport. Je veux pas au con. De quoi on parle, là? Les BMF? Non, non, y'a pas de BMF qui nous demande sur rien. Non? Non, non. Non. C'était les Arméniens à l'époque. Ok, bah c'est pas ce que j'ai entendu. On a baisé les Arméniens, c'est parti au couillac. Ok, faites quoi à l'aéroport? Bah rien, on visite. Vous visitez l'aéroport? C'est ça. On s'intéresse à un endroit bien précis qu'il y a là-bas. On vérifie un petit peu ce qu'il y a, quoi. Quel endroit? Mais tu me permets, je te pose une question, juste... Ouais, bien sûr, tu, vas-y, tu vas-y. Qui juste que sache, quoi. Moi, je suis Jimmy Fonotti. Savoir à qui je discute, comme ça, moi. Jimmy Fonotti. Ok, Jimmy Fonotti. Et votre chef, il nous connaît? Bah, je crois qu'on vous connaît tous, hein. Okay. Enfin, à moins que tu sois de la même famille en tout cas. Pourquoi tu me demandes qui je suis? Bah, je sais pas, je ne te connais pas, je te connais pas toi. J'ai jamais vu toi personnellement. Ok. Parce que je te pose la question. Mais du coup, tu sais ce qu'il y a là-bas alors? T'es pas. Ouais, je sais parfaitement ce qu'il y a là-bas, c'est toi qui devrais pas savoir ce qu'il y a là-bas. Bah, écoute, donne l'information de ce qu'il y avait là-bas et c'est tout. Du coup, on en profite. Ok, mais t'espères y trouver quoi en gros là? Bah, ce que j'ai trouvé chez les Arméniens. C'est-à-dire? Des armes. En vrai, je suis même pas venu pour m'embrouiller avec vous, je suis venu pour vous prévenir. Si jamais il s'avère que vous vous retraînez là-bas pour des mauvaises raisons, je vous assure que vos têtes, elles vont sauter.
Et là, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est bon, essaye même de nous attraper, tu vas voir. Non, mais peu importe, je préfère avoir tout le champ des possibles. Il y aura pas de deuxième avertissement. Alors vraiment, c'est pas vos affaires, c'est pas vos oignons. Je vais pas vous revoir là-bas. Si jamais il y a les BMF, ils vous disent, là, j'ai besoin qu'on surveille à l'aéroport. Si jamais il y a n'importe qui vous dit, même moi, si jamais je te dis surveille à l'aéroport, vous dites non. Après, tu peux me comprendre sur le coup que les Arméniens, ils me payent un bon billet pour ça. Oui, ben, et là, il n'y a plus les Arméniens. Il n'y a plus, bon, dans ce cas-là, je suis plus fort d'être là-bas. Ouais, mais là, même sans les Arméniens, on vous a vu là-bas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. On vous a vu là-bas, même depuis qu'il n'y a plus les Arméniens. Quand ça? Récemment. Bon, c'est pas vrai. On a plus les là-bas, fois... ces Arméniens, c'est tout. C'est les mecs du Nord qui nous ont vu là-bas quand on est parti chercher comment dans l'aéroport. Parce que la dernière fois où nous, on est parti directement voir là-bas, c'était quand on avait baisé la clé aux Arméniens. Vous l'avez encore cette clé? Non, on l'a plus. Non, ça t'est revenu. Récupéré. C'est les Smiths. Ok, ben, si c'est un quiproquo, c'est un quiproquo, mais je préfère vous le dire que ça se trouve, vous savez pas. Et voilà, c'est pas... Il n'y a pas de quiproquo, c'est juste que nous, les Arméniens, nous ont passé la formation au début, ils voulaient qu'on bosse avec eux. On leur a mis à l'envers, on a récupéré les armes là-bas directement, enfin leurs armes à eux. On a reçu cette clé et c'est tout, c'est la fin de l'histoire. Hein. Depuis, on n'a pas remis les pieds, franchement. Ok, bah super. Bon ben, pas de soucis. Non, on a d'autres chats à fouetter, aller là-bas. Ça nous dépasse là-bas, ça rien. On est en guerre avec qui là en ce moment? Avec tout le monde. Avec les Nine-Four, les Sorenios, les Ballas. Ok, c'est cool. Alors, si vous avez besoin, de toute façon, vous passez par qui? Toko ou Silo à vous? C'est bah, les deux en fait. En fait, il y a Silo qui gère avec nous par rapport à certaines choses. Ouais, et Toko, si nous avait missionné sur d'autres bails. Si vous avez besoin, appelez-les. Carré. Ouais, super. Ouais, au revoir. À plus tard. Vas-y les mecs. Tu les crois? Écoute, je peux être sûr et certain que moi j'étais dans le labo et quand je les ai vus, ils sont vraiment passés devant à plusieurs reprises et tournés autour, vraiment autour. Peut-être qu'ils sont pas au courant que les Smiths, ils ont dit que c'était OK. Bah maintenant ils savent. Ils pourront pas dire qu'ils savaient pas maintenant. Hello, bitch. Ouais, j'ai fait 2-3 cash. Y'a aucun débat là-dessus. Ouais. Carré, t'es tout seul là. Ouais. Putain, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu tuer. Vous êtes trop là. Arrêtez avec ça. Putain, j'ai oublié. Parce à chaque fois, j'oublie, vous me le rappelez. Si je fais le mec bon soupçon, ça se trouve, ils passaient par là, tu vois, par curiosité. Mm-hmm. Parce qu'ils ont vu des gens, mais. C'est ouais, à gauche, au moins maintenant, ils savent. Ah, c'est bon, on a fini. Il s'est dit quoi du coup? Bah, je leur ai dit de plus traîner vers là-bas, sinon leur tête elle saute. En gros. Ok. Mais ils ont compris le message ou réticents? Ah, ils ont fait genre ouais non nous on fait plus ça. Je leur ai dit on vous a vu. Ils ont dit non on était juste allé chercher quelqu'un à l'aéroport. Ok. Voilà. Ok. On va où? On fait quoi là? Bah je sais pas. On va là où vous voulez. Bah, je sais pas, moi j'ai envie d'aller nulle part. On va faire un tour à Grapside. Bah quoi? C'est quand leur truc à Grapside? On va faire un tour à Grapside. Ouais, je pense que c'est passé, hein. C'était à 23h. Non, c'était à 23. On peut pas voir les Smiths. Les Smiths sont pas dispo. Moi, je vais. Bon, au pire, je vais traîner vers Vinewood. Continuer le pressing sur les soies. Vas-y, bah on peut traîner vers là-bas. Attends, mais viens, on se répartit les voitures. Je monte avec toi. Vas-y. Oh putain, je monte avec Siloa. Oh là là, oh là là. Il va avoir du ping. Je vois le volant. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends. En fait, j'essaie de monter par la première porte, mais c'est compliqué. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Vous allez bien? Non. Ouais, non. Bah, t'es là. Ah, tata. Ma poule. Mais. T'as bien vu que j'avais pas fait exprès de m'asseoir dessus. il en faut, elle est là la poule quand même. C'est hein. Ma faute, je me suis assis dessus, elle aimait bien la montagne, elle a voulu rester dedans, ouais, je pouvais rien faire. Oui. Tu voulais que je fasse quoi de plus?
la sauver. Bah comment Je vais faire un massage cardiaque. Creuser. Avec le coup, il était cassé. C'est rien, t'en as deux nouvelles. S'en fout maintenant. Oui, par une personne incroyable. Oui, je sais, Olivia. Gentil. Oui. Vraiment à toi. Je sais. Tu me trahis. C'est mon amie, je la connais bien. Toi qui me trahis tout le temps. Ah, j'ai fait quoi? Je me suis assis sur ta poule. Arrête de dire ça, c'est pas bien. Tu parles de d'accord, ma mère. D'accord, si c'est pas bien, alors j'arrête. T'es en train de me reprocher un truc que j'ai appris comme toi. Tu veux que je fasse quoi? Ma poule et ma sœur. J'ai rien fait pour ta sœur, j'y suis pour rien. Et je te rappelle que c'était ma mère. C'est vrai. On reste aussi sur Vinewood, nous? Je sens qu'il y a du monde au labo. Comment ça? Il y a pas mal de voitures qui tournent autour. Comment on pourrait vérifier? Mettez un message dans le groupe, dis-leur, il faudrait checker le labo. J'ai du poulet épicé, je me suis arraché la bouche hier. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Que maintenant il va sentir. Surveille parce que s'ils ont un 2. Attends, Jimmy m'appelle. Ouais. Dis-leur qu'on en avait qu'un. Ouais. Comment tu sais qu'il y avait peut-être des gens au labo? Parce qu'apparemment il y avait des voitures qui tournaient. Et qui t'a dit ça? Toko. C'est moi. Toko, mais Toko il est au labo? Non, Toko il est. Non. Mais il avait des voitures qui tournaient, toi. Quand est-ce qu'il a vu ça? Là, à l'instant, il y a 2 minutes même pas. Ouais, 3 minutes. Ah, vous êtes repassé au labo? Non, mais on parle de Vinewood, hein. Ah, attends, au labo? Quel labo? Ah, de coq. De coq. Ah, ok, bah vas-y, si tu veux qu'on fasse une descente. Bah, il faut voir, par contre, qu'on aille check, en vrai. Bah vas-y, on fait une descente. Vas-y, on vous attend, là, j'arrive. On est au truc, au postal. Vas-y, j'arrive. Je sais pas ce qu'ils font les flics là-bas. C'est une voiture abandonnée en vrai. Hein. Avec les gyros? Ouais. C'est pas. Ils sont dans le quartier 94.
à pied, ok? J'y vais à pied, jette un coup d'œil. S'il y a jamais des gens devant, on les attend dehors. À pied, t'es sûr? Ouais, t'inquiète. Quelqu'un peut couper le moteur du bison, s'il vous plaît? Gardez un œil autour quand même aussi. Ok, il est en train de remonter. C'est bon, y'a personne. Y'a personne ? Okay. À pied c'est mieux, tu vois, tu fais moins de bruit. Jette un petit coup d'œil. Encore de la porte dans la gueule, les gars. Pas de ma faute, t'aimes trop la porte. Non, mais tu me manques beaucoup de respect en ce moment. Parce que tu me cherches. Quoi ? Moi ? Oui. Moi, ta gentille, toute mignonne ? Tu me cherches. Moi, je suis toute mignonne et toute gentille, impossible. À d'autres. C'est pas Zizou, là. Je suis très gentille avec toi, Yann. Je vois pas de quoi tu parles. On a affaire à nous. Hein. Avec Zizou, peut-être tu... Toko, je t'ai toujours défendu. Tu la frappes par les couilles, mais pas nous. Hein. Ouais, peut-être tu lui rentres dans le cerveau, mais... Nous, on te connaît vraiment, nous. Je te jure que je vais t'envoyer nous, on voit ton vrai tous visage. Les jours, Eya. Tous les jours, masque, tu vas voir Vatou. C'est ce qui se cache derrière ton sourire. On voit tes vices. Je suis toute gentille, je suis toute gentille. Rides. Je on suis les voit, adorable. Les gros rides de la cinquantaine. Alors, j'ai 38 ans. J'ai pas 50 ans. 38 ans, eh ben, t'es jeune, hein. Bah oui. Ça va, t'es une petite mille. Ça va pas ou quoi? Zizou, il a quel âge? Je sais pas. C'est lui ou toi le cougar? Je crois qu'on a à peu près le même âge. Zizou, 38 ans, jamais de la vie. Je crois qu'il a plus. Zizou, minimum 50 ans. Zizou, il meurt dans 5 ans, lui. C'est fini. Je te jure. Zizou, il est en fin de vie. Je sais pas comment tu fais, il a le cancer de la prostate. Tu veux des enfants, tata? Non. Dommage. Vu la gueule des enfants de la famille, j'en veux pas, non. S'il te plaît. Un petit cousin, petite nièce. Non, non, vu vos gueules, j'ai pas envie d'en avoir, merci. Comment ça, nos gueules? Tu vois, après tu vas dire, oui, moi je suis toute gentille. Non, ça c'est pas être méchante, c'est être réaliste. Vicieuse. Non réaliste. T'as qu'un boudin, là. Ah non, là je l'ai mal pris, toi, quoi, par contre. Il en penserait quoi, Zizou, si j'allais le voir pour lui dire que tu m'as demandé de me déguiser en vieille pour aller le draguer? Tu cherches vraiment la merde, hein. Il en penserait quoi, Zizou, que tu toi, ma tante, t'ailles voir ta petite nièce et tu demandes à ta nièce d'aller draguer le père de sa seule amie? Il en penserait quoi? Je cherche très bien, Yann, très bien. Tu veux jouer, on va jouer. C'était vicieuse, tu cherches. Moi, j'ai cherché quoi? Dis-moi. T'arrêtes pas de m'insulter. Tu me mets la faute dessus. C'est vrai, tu as tué ma poule. C'est vrai, c'est non, un fait. Non, ça oui. Mais voilà. Pour ma mère, j'y suis pour rien. Et pour la poule, oui. Je refais pareil. Soyez vifs. Il revient. Arrête qui m'a... Quoi? Allô? Y'a personne. Mais non! Comment tu vas, Arrêg? Non, ça peut aller bien. Ça pourrait aller bien. Putain, je pensais que t'étais mort, moi. Ah non, je suis pas mort, non. Vice de procédure, ils ont dit. Allez faire votre vie. Bon, ouais, ok, ça bah incroyable. Éviter, prison à vie. Je vais pas te déranger longtemps. Est-ce que tu reprends la tôle? La tôle. Est-ce qu'on reprend la tôle, nous, ou c'est la fonte dans la voiture? Alors là... je sais pas, je vais appeler Siloa. Attends, ouais, appelle-le. Attends, quelqu'un passe un col dans ma voiture. Vas-y. Quoi, t'en as une grande quantité? Ouais, j'en ai un peu plus de 1600. Laisse-moi me renseigner, je te dis ça. Vas-y. Non, mais du coup, raconte, c'est passé quoi? Parce que moi, le dernier souvenir que j'ai, c'est un... Comme quoi... Oui, Siloa, est-ce qu'on reprend la tôle? Tiré sur la plage. Ouais, bah ça a tiré sur la plage. On reprend pas? Tué, ok, ça va. Vas-y. Ils ont tué notre Bakanj. Non, on reprend après, pas. Après, ça a été procédure contre moi avec. Ils m'ont mis meurtre, ils m'ont mis tout sur le dos en fait. Et finalement, ils ont fait un vice de procédure, c'est trop balle.
J'ai 80 000 demandes à payer et je compte bien me barrer à Boston et quitter Los Santos pour deux jours, tu vois. Bah, t'as raison, écoute, hein, c'est mieux ça que de moi. C'est ça, donc d'où l'importance que j'ai besoin de fric rapidement, quoi. Bah écoute, non, c'est pas nous qui gérons la tonne. Tu sais pas qui gère ça? Alors là, absolument pas. J'en ai aucune idée, Charbon. Très bien. Bah écoute, si t'as des petits trucs à me proposer, je suis partant. Bah écoute, ouais, je vais y réfléchir et on se tient au jus. Vas-y, on fait comme ça. À plus, toi. Vas-y, au pire. Mais non, le bon vieux Eric, je pensais qu'il était mort, desséché. En mode cadavre. Eh ouais, bah c'est un peu ça, mais financièrement, du coup. Mais bon, il avait ce qu'il a mort, il avait ce qu'il a à prison, c'est déjà bien. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais même pas qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Bah, il a dit faites votre vie, mais. C'est bien qu'on voit les Smiths, mais les Smiths ils sont pas là, je pense. Faut qu'on les voit pourquoi? On va échanger la caillou. Contre le bombe, du coup? Ouais. On va revenir au classique. Et non, ce serait bien que j'ai une réponse là, si voir si je peux leur acheter un tech ou un délire comme ça. Non, ce Nation sont interdits du Nord. What? Eh ben, c'est strict comme décision ça. Faudrait que j'arrive à choper aussi un 9-4. Coucou ma BFF! Ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu sais que j'ai parlé avec Jimmy, hein. J'ai parlé avec Jimmy, hein. Et je lui ai dit, ouais, bah ta sœur, c'est un peu ma meilleure pote, tu vois. Il m'a dit, ah ouais, elle m'a jamais parlé de toi. Et du coup, je me suis retrouvée super conne devant lui. Mais normal, on s'est pas parlé pendant 6 semaines. Et je lui ai dit, est-ce que tu lui as parlé, même avant de dire ça? Il me dit, bah non, mais par exemple. Félix, elle me parle tout le temps de lui. Je dis, mais c'est normal, ils se connaissent depuis 15 ans. Tu sais qu'il dit ça, mais Félix, les seules fois où j'ai parlé de lui, c'est parce qu'il lui avait fait des dingueries. Hein. Bah voilà. Putain. Ça m'a un peu brisé le cœur. Mais bon, on reste debout. Mais non, mais je lui reparle depuis quoi, 4 jours. Ouais, c'est pour ça. Tu fais quoi là? Là, je suis chez moi, je règle un truc et puis je suis libre et toi? Demande-lui si elle veut récupérer sa cam. Y'a Togo qui demande si tu veux récupérer ta cam. Mais il a combien à vendre là? 139. Il m'a dit 38. 139, t'as dit? Ouais. 139. Mais non, je peux pas lui prendre autant. Bah, c'est 39 de plus que ce qu'elle voulait de base. Et lui, je peux lui en prendre que 100. Vas-y, 110, c'est bon. Vas-y, 100, c'est bon. Eh ben, dis-le rendez-vous à là où il habite dans 5 minutes. J'y suis. Non, dis-lui, je lui envoie une pause. Il t'envoie une pause, il a dit. Vas-y, ben, vas-y, ça marche. Vas-y. T'as dit quoi, toi, sinon, les mecs? T'as pas trouvé? Ça. Hmm? Ça regarde que moi. Ah, le mec, l'autre jour du toit, là. Mm-hmm. C'était qui? Il s'appelle Paul. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est un ami. Non, c'était qui, en vrai? T'aimes bien? Mais je le connais pas. T'aimes bien? Ça te regarde pas, toi, quoi. Mais bro, ça m'aurait pas, une famille quand même, oh. Ouais. Mais j'en parlerai à mon frère avant et après j'en parlerai aux autres. Mais je suis ton frère, donc parle-moi-en et comment je te dis. À mon vrai frère. Ah, lourd. Ça fait plaisir d'être intégré. Bah, t'es pas mon vrai frère. Et elle est passée où, là, quand? Beaucoup de frères qui tapent des ambiguïtés avec leur sœur. Un peu spécial quand même. On en prend combien, 100? 100. J'en ai pris 40. Ouais, 50 sur moi là. On prend 10, c'est ça? Ah, super, t'es fort dans les calculs, Tata. Merci pour la participation. C'est quoi, c'est de l'héros?
Exactement. Et là, ce soleil, il est lent. Ça va, les tatas. Mais. Ah, tu vas dans le corps. C'est vraiment une flotteuse. Hein. Hey, tu vois, on peut t'offrir toutes les poules du monde, hein, mais la mienne restera la meilleure. Hein. Flop restera la meilleure, hein. tu peux l'avouer. Et en vrai, Tata, t'as pas froid comme ça? Non, c'est un bon pull. Ah, mais Tata, c'est une chaudasse. Eh, mais toi, et après, tu dis que je cherche, hein. Mais non, mais t'as chaud, quoi. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je reste avec vous, je dois faire des trucs avec Félix. Ah bah, il m'a dit de l'appeler. Attends. Tu dois faire quoi avec Félix? Je dois faire chier le monde. Et bah, bon. On va venir faire chier le monde avec toi. Qui, toi? Ouais. Vas-y. Toco, si tu veux venir faire chier le monde aussi, hein. Non, il y a des projets bouteilles, lui. Allô? Ouais. Comment ça, je suis une bouteille? Non, t'es pas une bouteille, toi. Ça va ou quoi? Pourquoi tu dis que je suis une bouteille? Non, parce que j'ai dit que Toco, c'était une bouteille. Recyclable. Non, justement, pas recyclable. C'est une bouteille en verre. C'est une bouteille... C'est recyclable, une bouteille en verre. Je m'envoie la position parce qu'elle va pas réussir. C'est une bouteille pas recyclable, c'est tout. Ok. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Bah ça va, ça va. Tu fais quoi? Bah là rien, je suis avec Tata et Toco. Tata c'est une criminelle, maîtresse des gens. Oh, Tata c'est vraiment ça... nul, Tata. C'est une boule de neige, elle avait la neige dans mon oreille carrément tellement elle était prête, elle m'a raté. Bah t'es où là? Là je viens de rentrer chez moi, déposer des trucs et bah je peux vous rejoindre. Bah vas-y, je fais un truc et je t'envoie une pause. Hey, j'ai envie de monter sur un braquage. Un braquage quoi? De bijouterie. Ah ouais, comme ça genre d'un coup. Ah, moi je suis un gars... Money cash. C'est comme, tu sais, j'ai combien d'argent sur le tech? J'ai 200 000 mon pote. Ah ouais. Ah, la semaine où je suis parti, j'ai brassé. Hein. Et pas le choix dans tous les cas. Ah, la vie, ça s'arrête pas ça. Hein. Ouais. Faut que je m'achète une caisse. Vous avez pas des thunes à dépanner? T'as 200 000 sur le côté. Ah, il est beau le poteau là-bas. Putain. Non, mais des thunes dans le compte, des thunes dans le compte. Non. Ah, vous savez, vous êtes des racistes. C'est sûr. Déjà, j'ai réussi à. Est-ce que le proc il me rembourse mon amende? Vraiment des racistes. Quoi. C'est toi le raciste. Moi j'ai été payé 1 400 $ là, je jure, j'ai la haine. Waouh. Tu veux qu'on soulève le patron? Ouais, tu veux qu'il fasse quoi? Ou c'est le patron qui te soulève? C'était mérité. Ça va, je rigole. C'est qui ton patron? C'est celui que t'as fait semblant de chialer la dernière fois? Franchement, si t'acceptes que le patron te soulève, t'es vraiment bizarre. Ouais. Je sais pas, il m'a l'air bizarre le patron. Qui, le Kelly? Ouais. J'ai trouvé normal. Si c'est celui-là que j'ai vu, il me paraissait bizarre. Celui du bureau. Quand tu t'es le allongé bureau. Sous la table. Bon, on m'a dit de me méfier, mais. Tata, c'est au bureau là où tu t'es allongé sous la table. Je suis pas sous le bureau, ah bon. Mais non, mais tu t'es vraiment allongé par terre, Tata. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mais tu t'es vraiment allongé par terre, hein. Pourquoi ça peut comme ça, ça rend fou. Non, mais c'est lui ou pas? Oui, c'est Kelly. Bah, il a l'air c'est normal, il est gentil. T'es passé sous le bureau. Non, il y a une demoiselle qui m'a dit de faire attention. Il a des propos un peu. Un peu quoi? Sexualisants. Ah ouais? Sexiste? Tu veux lui enculer sa mère à ton patron? Non, et après, avec moi, il a jamais rien fait. Bah, après. On peut, si tu veux. On lui ramène un mec qui vient de sortir de prison, ça le calmait, hein. Je viens pas de sortir de prison, en fait. Je parle pas de toi. T'es pas le centre du monde, Mister Bouteille. Bah si. Bah non. Pourquoi Mister Bouteille? Je sais pas, c'est ton nouveau nom. C'est bizarre. Eh, n'oubliez pas, c'était toi qui buvais à mort de la 8-6. Pourquoi tu lui dis Bouteille? Hein? Rappelle-toi, hein, quand tu droguais. Mais non, mais t'es con ou quoi? J'ai dit Mister Bouteille parce que je t'ai dit que j'étais recyclé, c'est pour ça, c'est la ref à tout à l'heure. J'ai pas que t'es un alcoolique. Mister Fumette. C'est vrai, par contre, tu fumes peut-être beaucoup là de ces temps-ci là. Je fume pas, moi. On m'a dit de fumer avant que la vue me fume. Oh là là, j'ai envie de partir, allez, on s'en c'était, va. C'est tes poumons qui fument, ouais. Ton cerveau qui fume. C'est moi, je suis sous la lune. Et j'ai la lune. Je vais faire une lune.
Ne m'approchez pas, madame. Ne m'approchez pas. Arrête, tata, arrête. J'ai pas de pièces, arrêtez. J'allais parler à Zizou, tu vas voir s'il aura des pièces. Mais toi, en fait, tu veux qu'on se frappe. Dis-le moi, hein. Allô. C'est quoi ce changement de voix, là? Ça va et toi? Trop grave, testostérone, sérieux. Pourquoi? Je vais te tuer, Ia. Aïe. Et Ia, appelle Olivia, s'il te plaît. Ouais. On a un intérêt commun, J'ai appris des trucs qui me plaisent pas, moi. Je l'appelle et je lui dis quoi? Dis-lui, envoie-lui la position. Attends, deux secondes. Bon, envoie-lui la position parce qu'elle sait pas, elle galère à trouver la pose là. Suffit. Je sais pas, je danse. Ça va quoi, Laï? En plus, il y a une voiture là au-dessus, hein. Mais oui, elle galère. elle est dans le parking. Je critique pas parce que je repars. Vous êtes où là? Sous-sol! Mais putain, mais comment on y va au sous-sol? On est en haut! Descends! Mais où? Dans la rue, trou du cul! Ne critiquons pas, Aya, on aurait fait la même. Oui. Je renvoie la pose ici. En même temps, il tape des poses lui aussi, là, c'est des énigmes de Koh-Lanta. J'avoue. Là. Ouais, en bas. C'est bon. Ah, c'est bon, ok. C'est pas votre faute, voilà. C'est lui, là, il fait des épreuves de Koh-Lanta. Pousse-toi, Aya, pousse-toi. Comment tu cours trop vite comme ça, toi? Ça va, Tina, regarde, je suis toujours vivante. Ouais, merde, j'ai pas envie de te parler. Ça va, Aya? Ouais, ça va. Parle pas, Magnès. Je suis en dépression, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Ah, bonjour. Génial, incroyable, j'espère que tu vas bientôt. Ça va quoi? Oui, ça va arriver. Pourquoi t'es en dépression? Parce que je suis en déprime. Sale histoire, Aya, sale histoire. Ah oui, sale histoire, faudrait que. Ah bah, on va te voir, Aya, après on va t'expliquer. On va se faire un petit date entre meufs. Ouais, on va se voir après. Voilà, exactement. Oh putain, je fais que des rendez-vous de drogue, là, j'en peux plus. Tiens, attends, on doit te mettre ça où, là? Là-dedans? Ouais, essaye, et sur moi aussi. Okay. Oui, mais je sais pas si on aura la place pour tout. Oui, mais le truc, c'est que peut-être que toi, t'as oublié, mais des gars qui étaient là... Enfin, je vais enlever les trucs de la boîte à gants, d'ailleurs. Attends. Ou oh, non, j'étais passé au... Ah, y'a plus rien, ok. Oh, le ticket de parking, il coûte de l'argent... Enfin, il coûte du poids. Putain, j'ai trop de trucs, là. Il est si lourd. Attends, si je peux te donner ce ticket. Ouais, donne-moi. Donc là, y'avait pas que toi, tu vois. Okay. Nickel. Il est au téléphone depuis tout ce temps. Okay. Tellement de choses à dire. Ok. Et t'as déjà déposé combien en tout? Ah, c'est elle qui aurait balancé, moi, j'ai donné 50. Ok. Bah, écoute. Écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de choper ce lit. Tu chopes ce lit, tu donnes un rendez-vous avec toute la BMF plus la meuf, et moi je me mets sur position, ok? Donc attends, il y a combien là? Il y a... J'ai donné 50 à ta sœur. J'ai mis 10 dans le coffre. Donc on a 60, il nous manque 40. Normalement ouais, il t'a donné, non? C'est Toko qui les a. Il t'a donné? Toko, c'est très long là, tu fais des rendez-vous pour être au téléphone. Attends, je te rappelle deux secondes. Elle est où la cam? T'es pas pro, hein? Je t'ai donné la cam. Donné. Ah, tu m'as donné sur moi? C'est un appel important, ouais. 40, ok, bah t'inquiète, de toute façon, c'est juste pour ça, là. Tranquille, je te laisse faire ton business. Vous allez bien? Bah ouais, ça va et toi? Je cours un peu partout, mais ça va. Ça va, super. Vous avez pas de l'or ou des délires comme ça, vous? J'en ai pas beaucoup, j'en ai eu dans les trucs de lingots, là, mais vite fait. Ok, mais pourquoi vous chauffez pas à faire une banque, un délire comme ça? Ouais, demain, après-demain, on a un truc. On a un gros coup, là, cette semaine, donc pas la peine. Et il y a peut-être moyen qu'on se chauffe à faire le... Je crache sur de l'argent, eh ben. Et comment ça, je crache sur de l'argent? Elle a pas dit non. Sur de l'argent, il y a moyen de faire encore plus de thunes. Faites-vous des thunes. Je pense que sinon, on fait une bijouterie ou un truc, c'est perdre de la thune. Non, mais faites ça avec l'équipe à Félix.
C'est avec l'équipe à Félix. Bah ouais, mais ouais, je sais. On devait en faire une ce week-end, mais on l'a pas fait. Mais ouais, je vais peut-être nous chauffer pour une banque. Mais là, on a un tellement gros coup cette semaine. En plus, moi, jeudi, je pars et tout. Je peux pas tout faire toute seule. Hein. Je peux pas tout. Déjà, je m'occupe de la drogue, je m'occupe des containers avec Judith. On s'occupe de tout. J'ai pas envie de commencer à m'occuper. Toute la partie business de la famille, on l'a fait à deux. Et vraiment. Une banque, ouais. Non, flemme, tu vois. On est une famille après, donc c'est pas très grave. Mais ouais, non, flemme. flemme. Quoi, tu veux que je te revende de l'or, c'est ça? Non, c'est juste pour information comme ça. Ouais, je crois que t'as l'air déprimé d'un coup. Je suis pas déprimé? T'avais l'air un peu. T'as vraiment l'air blasé là. Ouais, t'as vraiment l'air déprimé là pour le coup. Bah non, c'est juste que j'ai réfléchi. Ah, très bien. Non, en vrai, la vraie raison, c'est qu'il a envie de faire une bijouterie. Voilà. Non, c'est pas vrai. Non, je te jure, c'est pas ça. Non, vraiment, si j'avais envie, mais. Si vous êtes chaud, on fait celle du Nord, hein. Non, mais j'avais envie, mais là, j'ai pas envie maintenant. Là, j'ai... Le coup de fil m'a fait penser à autre chose. Là, je suis en train de réfléchir, en fait. Bipolaire. Exactement. Bah, quand tu veux faire un truc, tu me dis. Moi, je suis chaude, mais le problème, c'est que chez nous, j'ai plus l'impression qu'on va perdre et ils sont pas trop. Genre là, ils sont un casting pendant qu'on fait du business, tu vois. Un casting. Vas-y, 26. Casting, je sais pas quoi. Truc de con de merde. OP 26. Et du coup, je pense que si je propose une bijouterie, comme la dernière fois, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, bah, allez-y vous et nous, on fera vos plans. Et du coup, tu vois, bah, Julie et moi, bah, je veux dire, on sait pas trop conduire. Enfin, c'est pas notre atout. Et pourquoi vous essayez pas en vrai? Pourquoi vous faites regarder? J'ai une idée. Là, vous êtes 4 meufs. Pourquoi vous avez pas breaké à 4 en vrai? En vrai, si vous êtes chaude, venez, on fait la. Si vous êtes chaude, je fais avec vous, hein, vraiment. En mode girl power, genre. Vous êtes chaude, ouais, au pire des cas, genre, au pire des cas, au pire on va se regarder arrêter, putain. Je peux me mettre sur la conduite, mais juste sur la conduite. C'est-à-dire. Et oui, mais on est 4, ça veut dire une voiture, ça fait 4. C'est lent, une voiture à 4, non? Non, mais non, tu prends moi comme conducteur et tu prends Félix. Ah, genre deux voitures? Ouais. Mais Félix, il va vouloir sa part, non, après? Ah si non, c'est vous et nous. Les couilles, Félix. Félix, si c'est vous et nous, on fait 50-50. Mais je t'ai dit, Félix, Félix s'en bat les couilles, Félix. Bah, il a perdu beaucoup, Félix, je crois. Attendez, non je oui, mais là, c'est une poursuite. Il va juste prendre la poursuite et il va s'en battre les couilles. Je le connais. Essaie de le ramener, en vrai. S'il est chaud, venez, on fait ça. Hein. Je t'envoie une pause, c'est dans le souterrain. Mais attends, mais moi, j'ai d'abord un truc à gérer. Non. Il vient ou pas? Ouais, il arrive. Je pensais qu'il était occupé. Non, là, je me suis acheté de la drogue pour nous, donc dites pas à ma famille qu'on vous a acheté de la drogue, s'il vous plaît. Moi, je dis rien. Tina, tu peux m'enlever ma dépression ou pas? Mais pourquoi t'es en dépression? D'accord. Moi, je veux savoir. Ça explique plus, Olivier. On n'irait pas se boire un café avant? Oui, genre, vraiment, venez, on va se boire un café avant qu'on fasse des conneries. Le temps que Toko fasse son truc, on se boit un café, elle vous explique tout, vous donnez vas-y, des conseils. Vas-y, bah, venez, on se bat alors. On va se boire un café. Attends, on va poser la cam, Olivier. Ouais, bah, évidemment. Montez dans la caisse. Toko, tu nous dis quand t'es dispo? Vas-y. Toko, on bouge. Ah là là, je peux pas rentrer dans cette voiture. Avance un peu. Voilà. Je te rappelle. Ok. Sinon, tu fais pas d'effort. Vas-y, go maison. Ah non, non, on va pas les poser à la maison. Bah, tu veux les poser où? Mets-moi une pause. Ah, j'ai plus d'essence. Putain, mais on sort par où dans ce bourbier? Là. En face. J'espère qu'on aura la place pour poser autant. C'est la part de Toko, j'ai les clés, je vais foutre des cartons dedans et on va mettre notre drogue là, il ne touchera pas. Nickel. Ça va vous sinon? Bah, ça non. Va. Ah. Wow. Pourquoi ça va pas, Sina? Qu'est-ce qui t'arrive? Gaïa. Oh, ah, mais t'as bien. Vu? Ah, je pensais que t'allais dire, il y a Judith. Non, alors... non, là, j'accepte. Là, elle a fait un effort. Oh, elle accepte ma présence. Normal, là, c'est la première. Wow, t'es pas obligé de rappeler, fait comme ça. Je vais juste mettre de l'essence avant, Olivia, il y a vraiment plus rien. Là, pour le coup, j'ai essayé de prêcher ta cause hein, quand t'étais pas là, il y a. Hein. Je lui ai même offert deux poules. Elles sont où tes deux poules d'ailleurs? C'est toi qui les as. Mais non, t'as pas compris, faut que t'ailles les réadopter parce que je peux pas te les donner. Ah oui, bah oui, bah, je vais les réadopter juste après. Mais je sais, en gros, je les ai rendus au livreur, il va te les rendre. Ah, l'animal. Et tu vois, Eya, ça c'est une personne gentille. Ouais, je sais. Et j'ai fait ça pour Eya. C'est de la part de Eya, justement. Non, c'est pas de la part de Eya. Non, pas du tout, elle en a rien à foutre. Je vais de pas poule. T'en offrir une poule. Je me suis assis dessus dans la colline, j'ai pas fait exprès, elle est restée dedans, c'est pas ma faute. Moi, tu peux t'asseoir sur une poule, ton cul est énorme. Bah ouais, je me suis assis. Attends, je mets juste de l'essence. Attends, mais vas-y, tu sais quoi, pose avant. Remets la. C'est là où tu m'as mis, là. Ouais. Ok. Putain, mais il habite là. Ouais. Bah, il a un appart ici. Ok. Attends, bah je monte avec toi du bah, coup. Bah tout le monde peut venir ou pas? Ouais. Comme ça vous prenez tous un peu. Ouh, ah bah je crois qu'il y a que 10 à prendre, c'est bon. Ouais, bah, y a rien. Boîte à gants? Manger. Y a rien.
Ok, bien vu. Sina, tu es la gardienne de la voiture. Et on va foutre des cartons là-bas dans... Il nous faudra pas mal des cartons. Ouais. Mais c'est pas fini, j'ai la flemme de continuer. Venez ici. Je vais regarder là si déjà j'ai de la place. Là, j'ai de la place. Ah, je peux même pas en mettre 40. Oh, ça va être galère. Ah, fou, des cartons de partout. Hein. Je peux pas en mettre de trop, je crois. Ici, je vais mettre un truc, venez. Je mets mes 50. Ah, je peux même pas les mettre les 50. Où ça? On peut mettre 30, je crois. Mettre 30. Okay. Moi, j'en ai 10, moi. Ok, 30. 40. Okay, on va... Il m'en reste 20. Attendez. Ah, le carton. Attendez. Ah ouais. Lourd. Celui au-dessus, faut aller dans celui au-dessus. Hein? Ici, ah, là, okay. Celui-là, là. Je vais me prendre un entrepôt. Ah, c'est bon, j'ai tout posé. Toi aussi? Ouais, t'as bon. Allô, Théo, ça vient de tirer, là, viens! Comment ça, viens, ça vient de tirer? Tu veux que je meure, c'est ça? C'est hein? Ça, t'as fait exprès? C'est inquiétant, mais ça vient de tirer! On est parti poser, j'arrive! Bah, c'est ça, tu veux que je meure, c'est honteux, on est là maintenant! Oh, mais c'était vraiment à côté, genre, mais vraiment, vraiment à côté! Ok, j'arrive. Dans la ruelle, là. Oh, waouh! Dans la rue, genre. Où ça? Bah, là, tout le long, genre. Mais c'était toi qui t'es visé ou pas? Bah, je sais pas, c'était vraiment, vraiment à côté. Attendez, il y a une voiture. Mais... On y va normal, là? Cours pas après. Cours pas après. Putain, vite, on se casse, on se casse. Oui. On se casse vite. Madame, derrière, venez, ramenez-vous, là. Ne montez pas dans la voiture, c'est un conseil. Ne montez pas dans la voiture. Ne montez pas dans la voiture. C'est bon, putain, c'est bon. T'as fait quoi? C'est la police? Hein? Ok. Et mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Non, venez avec nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? J'ai grave fait genre. Elle avait quelque chose de mignon dans la main. On va s'occuper d'elle, d'accord? Hein? Oh non, mais pourquoi elle a sorti une arme? Bah. Allô? Viens là, je veux pas que t'es embrouillé, viens un peu plus loin. Mais non, mais c'est bon, y'a rien. Ok, ça va, t'es sûr, hein? Oui, c'est juste, elle a sorti son arme et du coup, ils l'ont vu. Ok, d'accord, vas-y. Attends, t'es où? Attends. Mais pourquoi elle a sorti son arme? Pourquoi elle a une arme même? Bah, parce qu'elle a entendu que ça tirait, du coup, elle a sorti son arme. Mais et alors, faut pas tirer son arme quand ça tire? Bah, ouais. Oh là là. Très mort. Vous voulez pas qu'on bouge parce que j'ai peur que, vu que ça vient de tirer, ils pensent que c'est nous et du coup, ils nous fouillent tous. Oh non, je vais prévenir ma famille, hein. Vous avez combien de pétards, là? Bah, je crois 7, 6, 8, je sais pas. Ouais, barre-toi loin, parce que j'ai peur qu'ils te suivent. Oh non, pas une arme en moins, pitié, pas une arme en moins. Et c'est fait avoir. C'est pour ça que je vais me prendre une arme perso, moi. Comme ça, si je la perds, on me fait pas chier. On se fait suivre, là, non? Ou je suis folle? Je pense que t'es folle. Quoique. Attends. Ouais, Oli. Je crois qu'on vient de perdre une arme. Hein? Pourquoi? Parce qu'on était à un endroit avec Sina et Yaya et Sina, elle a entendu des tirs. Et du coup, on est tout allé voir, sauf que Judith, elle a sorti son gun et il y avait des flics. Et du coup, nous, on a bougé parce que bah, je crois qu'on a peut-être d'autres trucs sur nous. Enfin, moi, j'ai rien sur moi, mais... Eh ben, interdit d'armes pendant une semaine, hein. Non, c'est pas grave. Franchement, je te jure, c'est pas grave de perdre une arme. Là, je pense qu'on va faire... Non, mais là, c'est bêtement. Pourquoi sortir une arme, Olivia? Ce qu'on va faire, là, c'est que pour rattraper l'arme, comme ça, c'est comme si on n'avait pas perdu d'arme, on va peut-être faire une bijouterie avec Eya et Sina entre meufs. Eya, Sina, moi et Judith. Ce soir? Ouais, je pense une bijouterie, mais dans le nord, c'est tranquille, ouais, il faut pas de gaz baiser. Faites. Mais vous avez pas confié les deux cousines, là, à la maison?
Moi, je suis pas au courant de ça. Bah, il y a une des cousines qui vient de m'appeler, qui m'a dit... C'est qui une des cousines? C'est laquelle? C'est Ryan. Ok. Elle a dit que Judith l'a appelé pour qu'il vienne à la maison à 30. À minuit 30? Bah ouais. Pourquoi faire? Pour les voir? Je sais pas. C'est toi qui es avec Judith, c'est pas moi. Bah, je suis plus avec Judith, elle est avec les flics. Ouais, c'est bête, mais je sais pas pourquoi. Je vais lui dire la prochaine fois quand ça tire, tu sors pas d'armes. Nous, on a rien à voir avec ça, tu vois. Ouais. Je sais pas, c'est cru dans c'est un pas... film. C'est pas. En fait, on a couru après. On a couru parce qu'il y avait un véhicule sans personne dedans. Bah, écoute, appelle Ryan et dis que vous avez eu un petit inconvenu. Faites la bijouterie et dis-lui une heure et demie et voilà, ça ira très bien, ok? Ok, je vais faire ça, vas-y. Et attends, je suppose qu'elle a perdu un Glock. Non? Je sais pas ce qu'elle avait sur elle, Oli. J'en sais rien. Vas-y. En fait, je savais même pas qu'elle avait une arme sur elle, dis-toi. Bah si, en plus, elle l'a pris hier parce que c'est moi qui leur ai dit de sortir armée. Mais pas pour la perdre comme ça, aussi bêtement, enfin... Ouais, mais la voiture de flic était toute noire, donc on n'a pas vu que c'était des flics pour sa défense, mais bon. Ouais, mais tu sors pas une arme pour rien, Olivia, tu vois ou pas? Oui, je pas pour comprends. Des bruits de pampan. Ouais, ouais. On a rien à surtout, vous aviez rien à voir avec ça. Non, on n'avait rien à voir avec ça. Ah oui, non, mais c'est encore pire. Il n'y a rien de plus con, je te promets. Ouais. Il n'y a rien de plus teubé. Bon, vas-y, on se rappelle. Vas-y, appelle Ryan. Hein. Ouais, j'appelle Ryan. Dis-lui à une heure et demie, on se fera ça. Vas-y. Ah, mais s'il veut à une heure et demie, faut. Félix, il est chaud ou pas? Moi, je pensais pas qu'on faisait ça ce soir. Hein. Quoi? Plutôt demain, non? Moi, je pensais pas qu'on faisait ça ce soir. Tu veux faire ça demain? Je sais pas, mais Félix, il m'a dit je suis caché, c'est la D, donc je sais pas ce qu'il a. On peut faire ça demain, au pire. Ah. Ouais, sinon on fait ça demain. Attends, bah... je vais lui dire à une heure, alors, Ryan. Il m'a envoyé une pause. Qui? Oh, putain, il a envoyé une autre à tous les coups, c'est lui qui a tiré. Ouais, Ryan, on peut déplacer le rendez-vous familial à 1h du matin? Quoi? Alors, je vais faire un effort, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais d'accord. Si, dis-nous. C'est quoi cette voix là? C'est parce que je suis fatiguée, mais ça va, ok. T'es fatiguée? Non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Ouais. Bah, au pire, on se fait ça demain, comme tu veux. Attends, je demande à Sally. Sally? Dans une demi-heure ou demain? Il faut pas trop vite sur la pause parce que je crois qu'il Sally est caché. Répond. Je passe devant, au pire. T'as dit quoi, Ryan? Elle a dit répond. Vas-y, quand dans une demi-heure, allez, vas-y, dans une demi-heure, on est OK là-dessus. Vas-y, dans une demi-heure. Appelle Oliver pour lui dire. Je peux pas l'appeler, okay. Là. Vas-y. Ok, vas-y, bisous. Bisous. Okay. Je crois qu'il doit être caché, hein, je pense, vu la position. Ah ouais, il est caché. C'est pour ça que je t'ai dit, je sais pas s'il y a du monde autour, mais fais pas direct dessus. Accélère. Allô? Oh, sa mère. T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Non, j'ai déjà prévenu Oliver. Je leur ai dit de pas t'engueuler parce que c'est pas grave, mais t'as grave fait la conne. Vraiment, t'as grave fait la conne. Ils me l'ont pris, mais ils m'ont dit... C'est quoi la position? Je dois y aller? Ils m'ont pas fait de... Reviens à la maison de Toko. Ils m'ont juste dit, bah, on te la prend, mais on te fait pas casier judiciaire et tout. Par contre, la prochaine fois, on te met la totale. Mais c'est pas grave, on va prendre la drogue, on la rachète. Mais tu sais que j'ai même pas capté que je courais avec dans la main, je suis trop conne, ça m'énerve. Mais pas je vais me faire allumer, c'est ça qui m'énerve. J'ai prévenu Oliver parce que bon, voilà, mais Ouais. Vas-y, arrive. Vas-y. C'est quoi? Quelqu'un m'a mis une position? Non. En gros... Attends, je la mets juste dans le coffre. Ah non, c'est derrière. Je me faisais poursuivre, sauf que oh, wow. J'avais plus d'essence. Et en fait, j'ai commencé à me faire poursuivre, j'allais mettre de l'essence. Du coup, je me suis arrêté. T'as tiré ou quoi? Ouais, j'ai tiré. Ok, donc c'était toi. Mais je suis arrivé près de la maison, j'ai plus d'essence, j'ai... Comment dire? Je suis descendu, il m'a rafale. Attends, ils ont pas pris la voiture. Attends, je vais la mettre dans l'allée. Attends, je t'explique après. Ouais. Par contre, Judith, je vais la mettre dans le coffre. Hein. Mais il fait quoi, lui? Il est bourré? Judith, il faut que t'ailles dans le coffre. Je suis allée. T'ailles dans le coffre. Faut que j'aille dans le coffre? Et t'es puni. Je suis puni. De toute façon, venez, on s'arrête pour parler, de toute façon.
Oui. Non, mais c'est bon, on va revendre la cam qu'on a et demain on fait commande, on le reprend. Non, 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 on commande pas une arme pour la famille avec la cam que j'ai acheté, qu'on a acheté pour nous. Non, ouais, non. Mais ça, faut que je le rembourse, ce Glock, ça fait chier. Bah, c'est pas que faut que tu rembourses, et on est ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble, bah les couilles. Tiens, merci, ma soeur. De quoi ? Ça va, Félix. Bah, raconte ce qui s'est passé. Du coup, il me tire dessus. Et qui te tire dessus ? Alors là, aucune idée. C'est un mec qui était même pas masqué. Il était blond, il avait une coupe genre plaquée. Blond, plaqué, avec une big beubar de fou. Et en gros. C'est pour Judith. C'est pour Judith. Judith ce soir. Arrête, c'est pas drôle. Pardon, je t'écoutais, hein, je t'écoutais grave. Sale merde. Bah, non, voilà, c'est vrai que je t'écoutais. Je vais plus raconter. Mais je te jure que je t'écoutais. Ah, ouais, t'as grosse race, moi j'écoute. Vas-y. Wow, dis-moi, un mec avec des cheveux blonds plaqués en arrière. Il avait une grosse beubar, mais il était pas masqué. Mais je crois savoir qui c'est, mais je suis pas sûr. C'est un mec de Galapagos. Ah ouais ? Putain, ils sont encore là, hein ? Ben non, mais il y a les mecs qui sont sur les îles. Folie. Il y a des mecs sur les îles qui oui, font une partie de quartier. J'en ai aucune idée. Mais je sais pas exactement et où c'est lui qui t'a tiré dessus ou c'est toi ? C'est lui qui m'a tiré dessus, mais j'ai répliqué. Ah ouais ? Et du coup, je suis monté en haut. Et en gros, quand il m'a tiré dessus, je me suis mis derrière ma voiture et du coup, il a allumé la voiture. Et après, il a fait un tour. Moi, je suis passé au-dessus, je suis passé derrière, et je suis parti me cacher à Vinewood. Et avec tout ça, t'as pas perdu d'armes ? C'est la conne, il y avait rien à voir dans l'histoire, t'as perdu d'armes. J'ai safe la boîte de mune. J'ai même pas pris de balles. Tant mieux alors. Mais trop bizarre, faut que tu te renseignes de qui c'est ça. Ben aucune, mais en fait il a même pas eu le temps de me parler. Genre, le seul truc qu'il m'a dit c'est arrête-toi, j'avais plus d'essence, je suis descendu. Il m'a allumé direct, sauf que je suis descendu du côté conducteur, du coup je me suis accoudé contre la voiture. Il a mis son chargeur dans la voiture, après je lui ai mis 2-3 balles, et il est parti, je suis parti, et je suis parti me cacher. Et il veut te parler, voilà. Mais il te tire dessus, alors, il faut qu'il sache à un moment donné. Aucune idée. Ah oh, putain. Mais putain, j'ai perdu des balles, chier. Ah, moi, c'est pour ça que t'étais caché du coup quand il a appelé. Oui, putain, mais Muffin, ils ont périmé, il m'en restait 8. Bien fait. Tata, ça pue la merde, les trucs du stream café là. Mais oui, bien sûr. Tu vas manger ? Quand est-ce qu'on va les tabasser ? Ben j'attends, moi j'attends que ça. Hein. On va y aller. Hein. Ça pue. Hein. Des plats de sushis qui périment demain ? Oh, qui périment aujourd'hui ? Oh, qui a faim ? Moi, oui, j'ai mis des gants de neige. Faut qu'on vous explique l'histoire de Judith là. Ça vous putain, dit on va chez Toko, venez, on se pose quelque part. On va chez Toko ? On se pose à table. Putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Toi. Je rigole. Voilà, on va chez Félix. Ah non, j'ai pas payé le loyer, je suis à moins. Oh là là. Oh là là. C'est difficile, ouais. Hein, la vie. Let's go. Bah, venez, on va chez Fidèle. Et il est en train de baiser avec l'avocate, il peut pas. Oh là là. Bon, on va chez Toko, oh hein. Là, avec l'avocate mariée. On peut passer par là. Eh, tu vois. Allez, vous comptez plus là. Bah, t'es trop grosse. Et parti. Suivez-moi. Je me souviens quand Félix il a dit jus de bite, je vous jure que c'est réel. Jus de bite. Jus de bite. C'est moi ce soir. On rentre, je vais fermer. Quoi ? J'étais en train de te parler, t'es parti, mais ça y est, c'est bon. Mais non, mais viens. Non, mais maintenant, il y a tout le monde, je peux pas parler. Ah, tu fais des messe-bass. Ah ouais, les messe-bass de ouf. Okay. Salon ou cuisine ou salle à manger ? Salon ? Non ? Salon. Oh, toi, tu voulais pas faire le tour, toi. C'est un truc gonzesse. Je suis là, hein. Ouais, on est entre gonzesses. Ouh, eh oh. Ça y est. Je suis là. Eh oh. Youhou, ici. La gonzesse. Voilà, c'est toi. C'est toi, Fofolle. Du coup, on voulait parler entre meufs, mais vu qu'il y a Félix, c'est pas grave. Hein. Parle entre meufs et... Non, parce que Félix peut savoir, c'est notre pote. Non, mais attends, ça veut dire Félix, quoi, ça ? Félix, t'es un peu comme... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que comme t'es ma copine, quoi, au final. Un peu notre copine, quoi. Un peu notre copse. Oh là là...
Déjà, première chose, Félix, est-ce que t'es chaud demain? Non. On se fait une petite... Oh, wow. Prochaine question. mais écoute, bon, bah, faut que ce soit Aya qui propose pour qu'il dise oui. Aya, propose-lui. Demain, oui. On veut faire... tu vois? Demain, on veut faire une bijouterie. Voilà. Bien sûr, évidemment. Ouais. Mais une bijouterie dans le Nord, à mon avis, c'est un truc... simple, efficace, qui ne feront pas trop de temps. Et genre, on fait nous les meufs. On fait entre meufs. Fixe si elle me demande. Attends. On fait entre meufs, mais toi et Toko, vous conduisez pour nous, en gros. On nous l'arbre au final. Quoi, je suis Uber, moi, là. Allez, dis oui. On vous trouve les otages, vous conduisez pour nous, c'est bon. Mais je crois que Toko, il parlait d'en faire une ce soir. Hein. Mais est-ce que demain, est-ce qu'il sera là ou il sera encore non, en train de produire Toko, au labo? Toko, c'est un enfer, lui. C'est une galère, ses plans. Et à chaque fois, il me dit. Viens, on fait un braquage. J'ai un gros coup à te proposer. J'ai tout prévu. On arrive, y'a rien qui est prévu. Tout part en couille. À chaque fois, tous les braquages que j'ai fait, c'est ça. Non, mais justement, c'est les meufs, on gère. C'est nous, on gère de A à Z. Justement, c'est foutu, on est mort. Mais non. Mais non. Je suis de même avis de Félix, on fait 100 mètres. On sera 3 par véhicule. Mais non, tout va bien se passer. En fait, je sais pas pourquoi vous pensez que je suis le seul gars alors qu'il y a Tata avec moi. Quoi ? On dirait que Tata, c'est un bonhomme. Mais Tata, mais vous l'auriez vu se battre contre les mecs du scrim Kafi, là ? C'est un bonhomme. 1v3. Après, ils étaient vraiment nuls, hein. Excuse-nous. Et autre chose, donc on va voir avec Toko quand il veut la faire, de toute façon, mais si toi, t'es OK, c'est bon. Autre chose, tu voulais parler de ce qui s'est passé un peu avec Jimmy à Aya et Sina ? Ouais. Alors, explique bien avec les bons détails, etc. Okay, tu me complètes à chaque fois, Olivia, d'accord? Ok, je te complète si tu oublies des détails. Elle est trop malicieuse. Elle a trop un sourire. Non. Elle est trop hype par ce qui se passe. Non, je suis pas hype. Non, je vous jure qu'il n'y a pas de raison d'être hype. C'est trop triste. Non, je suis pas hype. C'est juste que ben, je trouve ça intéressant d'avoir la vision de sa sœur, la personne qui connaît le mieux au monde de Jimmy. Ouais. En gros, voilà, avec Jimmy, on s'entendait bien, etc. Sauf qu'il y a le fait qu'il bah, est marié à Brenda, etc. Et que du coup, bah, juste la relation, c'est cool, quoi. Je lui ai proposé un pique-nique, sauf que ce que je lui ai pas dit, c'est qu'au pique-nique, je lui ai présenté papa. Je vous fais pas un dessin sur Zizou, vous savez très bien c'est quoi le personnage. Direct. Le pique-nique se passait bien jusqu'à que papa arrive, et en fait, vu que papa me déteste depuis toute petite, il m'a rabaissé et humilié devant Jimmy. Jimmy, ça lui a pas plu, il a pris ma défense, il s'est un peu embrouillé avec papa. Et à la fin, il est parti. Voilà. Donc déjà, l'ambiance était glaciale. Non, alors là, t'as oublié trop de détails. Vas-y, détails. Non, à la fin, donc, ils sont pris la tête, etc. Jimmy n'était pas content qu'elle ait ramené papa, etc. Ce qui est normal, hein. C'est-à-dire que je l'avais prévenu, il faut ramener le daron alors que lui, il est marié et que c'est leur premier rencard. Alors qu'il est marié. C'est vrai que... C'est pas un rencard, c'est un pique-nique. Oui, bon, d'accord, Judith... Je veux pas faire de rencard officiel alors qu'il est marié. Non, oui, ok, c'était un pique-nique. Mais justement, pourquoi tu ramènes ton daron à un pique-nique? Parce que je voulais le présenter à papa pour que papa il me considère enfin une fois dans sa putain de vie et qu'il arrête de me prendre pour une ratée. Oui, voilà. Sauf qu'à la fin, Judith lui a dit, écoute, ça change pas. Moi, vraiment, je t'aime bien et je voulais savoir un peu c'était quoi tes ressentis à toi. Donc, soit dis-moi ce que tu ressens ou pars en silence. Et il est parti en silence. Voilà. Et depuis, j'ai plus de nouveaux. Et... Ça s'est passé quand, ça? Semaine dernière. Vendredi, non? Vendredi, ouais. Jeudi. Jeudi. Non, vendredi. Non, jeudi, parce que vendredi, moi, je suis allée lui parler. Ok, vendredi. Jeudi, pardon. Jeudi, vendredi, je suis allée lui parler. Il m'a clairement dit qu'en gros, il n'avait pas apprécié le move du daron. Je lui ai dit que c'était pour avoir de la considération de mon père qu'elle avait fait ça et que... qu'elle voulait faire d'une pierre deux coups et du coup il l'a encore plus mal pris et il a dit que tu te servais de lui, etc. Il a dit écoute, moi je veux divorcer, mais je veux pas divorcer pour elle, si je divorce c'est pour moi parce que je me sens pas heureux dans mon mariage. Et j'ai demandé si vous voulez lui parler, donc vendredi, donc le lendemain, si vous voulez parler avec elle. Je lui ai dit t'étais pas au courant, hein, que je lui parlais, hein, je lui ai pas dit. Ouais. Et il m'a dit non, je préfère pas tout de suite parce que là je suis encore un peu déçue de ce qu'elle a fait. Attends deux secondes, je te rappelle après. Déjà, bon courage. Parce que attends, pour compléter l'histoire. Elle est dans la merde, elle. J'étais sur la lettre O du panneau de Vaillou, c'est très précis. Ouais.
Et j'ai griffonné sur un carnet et j'ai écrit un mot. Et c'est ce mot-là, Sina. C'est moi qui l'ai écrit. Mm-hmm. Je sais pas si tu l'as lu. Tu l'as lu ? Non, je ne l'ai pas. Tu lui as demandé de pas le lire. Ah, très bien. J'ai écrit un mot. Et dans ce mot, j'ai dit... Une sorte de poème, j'ai dit... Putain, qu'est-ce que je dis déjà ? J'ai dit... En gros, j'ai repris les vœux qu'on fait lors d'un mariage et j'ai dit qu'en fait, la mort ne sépare pas. C'est faux, c'est le manque d'amour qui sépare les gens. Et en gros, je voulais lui faire un parallèle par rapport à ce qu'il vivait avec Brenda pour qu'il ait un peu plus de soutien durant son divorce. Parce que c'est dur de divorcer, jeune, et aussi récemment après s'être marié. Et ce qui le sépare aujourd'hui de Brenda, c'est pas la mort, comme il l'a dit à son mariage, quand ils disent jusqu'à que la mort nous sépare, c'est le manque d'amour. C'est tout est catastrophique. Tu sais, la relation entre Brenda et Jimmy, elle est compliquée. Je sais pas s'ils vont divorcer, mais... Ah, j'ai pas la suite de l'histoire. Bah, peut-être un jour tu l'auras, je vais pas parler pour lui, mais... déjà, tu viens de braquer l'homme le plus rancunier du monde. Voilà. Il m'a fallu 6 mois et demi pour avoir des excuses de mon frère, pour te dire. Mais... En vrai, mon frère, c'est quelqu'un qui aime les actes, donc si tu veux t'excuser... En fait, j'ai envoyé un message vocal et je lui ai dit « Ouais, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. Si tu veux avoir plus d'explications et tout, bah, rappelle-moi, tu vois. » Et j'ai jamais eu de réponse à ce message. Donc là, je suis dans le doute total. Je sais pas quoi faire. En gros, là, je pense que c'est à moi de prendre mes coups et les poser sur la table, quoi. Ou sinon, tu laisses le temps faire. Soit tu laisses le temps, mais avec Jim, ça marche pas. Soit tu... Pour moi, je pense qu'il faut... Un acte. Il faut parler. Il faut un acte. Mais qu'est-ce que je préfère, c'est ça. Juste aller le voir et lui dire on peut parler, ça marchera pas avec lui. Faut que tu fasses un truc... T'as dit quoi, Félix ? Je sais pas... Mon frère, il aime le catch, il est fan de basket. Tu pourrais faire d'autres. Je lui fais un RKO. Je lui fais un RKO. Oui, bah oui, bah non. En fait, j'avais pensé à un truc en mode faire une sorte de ring, mettre un mot au milieu du ring, en lui envoyer la pause et le laisser découvrir ça. C'est pas mal. Ça peut être pépite. C'est pas mal, mais... T'es un peu la meuf de la villa des cœurs brisés, quoi. Comment ça? C'est super méchant ce que tu viens de dire. Non, mais je pensais vraiment à faire un ring, un genre de ring de, un ring de catch. Dedans, je mets un coffre en plein milieu et dedans, je mets un mot. Et je mets un mot. Ouais, mais je pense, je sais pas si. Je débarque. Ouais, voilà, faut que tu débarques, à mon avis. Et je débarque. Tu débarques sur la musique. Je débarque comme Undertaker, les gars. Tu débarques sur la musique. Tu sais que si tu fais ça, il va kiffer, hein. Mais je pense vraiment, mais si vous voulez, venez. Hein. Mais je pense que je vais vraiment faire ça. Je fais ça, je débarque sur une musique de fou de catch, je connais pas du tout de musique de catch. Et faut que vous me conseillez, et je débarque avec ma tenue de Réa Replay. Il faut danser la Macarena. Attends, je vais juste parler à ma tante d'un truc vite fait. Viens là, toi. Parce que je sais pas si on est pas en train de faire n'importe quoi là. Je suis coincée, j'aurais pas passé. Ouais. Ah, voilà, va être flop, comme d'hab. Hein. À 1h du matin. Et c'est peut-être pas une bonne idée de lui dire de faire ça alors qu'on sait que... Non. Moi, je veux... On devrait lui dire d'attendre, non ? Ça va et toi ? C'est pour ça que j'ai dit que le temps fera close, parce qu'à mon avis... Non, Jim mais elle peut avoir... faire ça, elle peut faire ça, mais il faut que Jim, il sache déjà où il en est pour le bébé, quoi. C'est pour ça. Mon idée, enfin, il sait pas où il en est, il faut mieux pas qu'elle fasse ça. Ok, on va lui dire d'attendre un peu. Si tu veux mon avis, t'es un peu la folle du bus. Merci. Ok, Ok, du coup ? En fait, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Mais... Attendez, je peux avoir un débrief de ce que vous avez dit, parce que bah, Olivier, il est de fou, téléphone. Olivier, débrief, idée pour que Jim lui pardonne, un catch, un mot au milieu, et elle qui débarque sur la musique d'Undertaker, voilà. En gros, ouais, je fais un ring de catch, je m'aide à le décorer, on fait un truc en deux spies, je mets un coffre avec un mot au milieu, il ouvre, au moment où il ouvre, il lit le mot, j'arrive, je débarque, musique d'Undertaker, tenue de Réa Replay, les gars. Mais il faut trouver des smokes. Ouais, mais attendez. Ouais, les smokes de police que tu lances et qui font de la fumée, là. Attendez, parce que... Il faut trouver ça. En fait, il y a des choses... T'en as ? Incroyable. Comment dire ? Faut pas que ce soit maintenant.
Faut attendre un peu. Oui. Parce que en ce moment, quand on va dire que... Quand tu dis maintenant, tu parles de ce soir ou... Faut laisser du moment. Temps. Faut laisser du temps parce que Jim, en ce moment, il vit pas un truc trop facile, on va dire. Ouais. Et c'est vraiment pas le bon moment, genre. En gros, ça va tout influencer et tu vas... Mais au moins, tu vois, ça permet d'apaiser les tensions et à la limite, après ça, ouais, mais là, tu vois, là, je le laisse dans son coin. Non, non, un arrête petit de précipiter moment. Les en fait, choses. En fait, là, c'est trop compliqué pour que ce soit positif. Tu vois ce que je veux dire? Ça va juste. Ouais. Je vais pas parler parce qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de dire, mais en gros, c'est trop compliqué pour l'instant. Tu vois. C'est un conseil qu'on te donne, tu le prends, voilà. Tu le prends pas. Après, si ouais, vous êtes tous là, si vous êtes tous là vendredi, go, on fait ça vendredi. Hein. Bah, ça dépendra. Ah là là. Double chips. Il y a quoi vendredi, putain? Vous me dites ça dépendra. Moi, faut. Non, mais ça dépendra je veux de être là, je veux être là quand ça se passe. Totalement. Ouais, moi aussi, je veux être là. Et je pars jeudi, donc comme ça, tu sais. Tu pars, enfin, pars jeudi. Tu pars quand? Jeudi. Elle est trop incroyable, putain, je peux pas laisser ça dans ma tête. Une semaine dans un endroit au Kentucky qui s'appelle Bordeaux. Bordeaux. Okay. Du coup, juste jeudi, je suis pas là. Faites pas ça jeudi, s'il vous plaît. Okay. Non, mais très c'est bien, super on fait longtemps. Ça jeudi. Non, on fera ça quand Eya verra que c'est le moment ou toi. Putain, mais vous voulez pas qu'on teste en vrai? Je t'assure que non. Alors, on a dit hype de mon idée, j'en peux plus. Bah, si tu veux, mais on t'a dit ce qu'on en pensait, quoi. Putain. Félix, ne demande surtout pas, hein. Félix, ne donne surtout pas de conseils. Félix, lâche-moi ce verre. C'est très goûteux. Félix, viens. Attends, j'arrive à pas se murer de con, là. C'est de la vodka goût pomme. C'est bon, j'ai passé. Viens, j'ai trop envie de le faire, à l'aide. Aïe, mais pourquoi tu m'as frappé ça? Attends, je tremble un peu. Je me suis trop hype. C'est pas un câlin. Non, mais tu vas cramer toutes tes cartes si tu fais ça trop vite. Tu fais tout trop vite. Ça fait longtemps. Ah non, je suis pas là. Non, plus. C'est moi ça. Putain, vas-y. Mais attends, vous en avez pensé quoi du coup de tout ce qu'elle a raconté il y a. Là, je me demande juste c'est toi ou moi. En vrai, c'est bien, mais pas maintenant. Non, mais de tout ce qu'elle a dit avant, parce que moi je suis partie. Tu demandes ce qu'on a pensé? Bah, je pense que oui, ça l'a. En gros, il s'est braqué. Ouais. En fait, la situation est déjà compliquée parce qu'il est marié, etc. Et en plus, toi, ouais. Tu lui présentes ton daron. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, c'est pour ça que moi, je me dis, tant qu'à faire, autant on tourne la situation sur un truc un peu plus joyeux, un peu plus humoristique, et on casse un peu le froid qu'il y a entre lui et moi, tu vois. Et à la limite, je demande pas une réconciliation de feu, mais juste, tu vois, sur le moment, ça peut. Oui, mais regarde, cool. Si t'attends suffisamment de temps, déjà là, tu cours trop après. Tu lui as laissé un message vocal et t'as pas répondu. Ouais, c'est là, tu le cours trop après et tu veux tout enchaîner d'un coup. Tu veux faire un marathon de drague, là. Je suis une femme d'initiative. Non, tu attends. Mais bon, tu attends. Ouais, mais plus tu cours après un homme, les gens qui te parlent. Plus il a l'impression si on donne des conseils, c'est pas pour rien. Déjà, tu vois. Judith, tu crois que tu fais un marabite ou quoi? Arrête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon frère, si tu lui cours trop après, il va croire que t'es acquise et il va plus s'intéresser, tu vois. C'est ce que je lui ai dit. Faut pas que tu sois acquise. Faut pas que je calcule, en fait, c'est tout. Bah là, tu le calcules pas et on fera ce truc-là un jour quand il ira un peu mieux. Ça lui fera plaisir, ça le fera rire, mais faudra aussi qu'il fasse des efforts si vraiment vous voulez un truc plus tard ensemble. Sinon, s'il y a rien, c'est qu'il est pas intéressé et que juste c'est un fantasme pour lui. Ouais. Un fantasme gothique. Après, il a toujours fantasmé sur les gothiques. Ouais. Moi, je sais ce qui pourrait lui plaire. Quoi? Que tu te jettes par la fenêtre là maintenant de suite. Mais t'es malade ou quoi? Oh waouh. Mais quoi? Ça c'est pour alors, toi sinon. Ça c'est juste pour toi. Mais hein, ça c'est pas pour moi. Non, t'attends. Je pense pas. Donc là tu viens de conseiller à la fille du mec que t'as galoche il y a quelques jours de sauter par la fenêtre. Non, elle vient surtout. Alors toi, il y a tellement précis. Il y a des choses. Non, elle a galoche personne. Tu te la sers. Non, elle a galoche personne. C'est pas ça. C'est faux, Judith, les écoute pas. Elle a conseillé une dépressive c'est totalement de se suicider. C'est faux, Judith, les écoute pas. Hein. Elle a conseillé une dépressive de se suicider. Ouais, c'est totalement faux, Judith, les écoute pas. Hein. Hein, Judith, tu m'entends? Elle m'a dit saute par la fenêtre alors que j'ai envie de sauter par la fenêtre toutes les 5 minutes. Non, non, et non. C'est pour ça, moi, je te le dis. J'en peux plus, Olivia. Non, mais arrêtez, elle a déjà des tendances suicidaires, stop. C'est vrai, et en plus, là, on va devoir aller à la maison, tu vas te faire engueuler. Oh non. Ah si. À l'aide. Pourquoi? Tu vois, ça t'en pousse, il était trop, il m'énerve. En vrai, sur ce que t'as fait avec Unlock, ça pourrait arriver à tout le monde. Tu me fais un câlin. En plus, même le mec, hein, le flic, il m'a dit putain, vous avez pas fait exprès de le sortir. Je lui ai dit ouais, il me fait ça, ce bois. J'en ai. Et m'a juste dit je te le prends et casse-toi. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais, c'est vraiment de la. Non, mais même lui, il a reconnu, c'était un truc. Tu m'en as fait deux, tu prévois une nouvelle patate, je te prends le et ciao. Tu m'en as fait un deuxième, tu vas justifier auprès de lui. Oh non, mais il va m'embrouiller, ça va être horrible. Non, commence pas à dire on était chez Toko et nanana. C'est quoi qu'on va embêter le script? Non, je dis juste, ça a commencé à tirer, je suis sortie avec mon arme et en fait c'était la DOA en civil, voilà. Près de chez Félix, voilà. Démarche en combat. Les gars? Hein? Pour arrêter de trembler.
Chaque fois que tu mets un coup. Démarche en combat. Non, putain, non, j'en peux plus, je veux vraiment me jeter par la fenêtre. Vas-y, attends, va plus loin, va plus loin. Je te veux jeter de la caisse. Tu parles après. Tu vois, moi en ce moment, je suis grave fan des F1, tu vois. Oui, bah vas-y, parle, ça y est, toi. Des Formule 1. Vas-y, F1, désactiver la marche en combat. Là, tu m'as saoulé. Attends, F1 F1, oui, F1. Mais option. F1, moi, c'est... Quoi, ah F1. Oui, attends, option, ok. Option. Désactiver la marche en combat, c'est en dessous de pas une changement de place voiture. Ok. Regarde avec mes gros gants. On dirait que je t'emprisonne. Oui. Ça va. Bah ça va et toi. Faut qu'on parle hein, toi et moi. J'ai trop de trucs à te dire. Moi aussi j'ai trop de trucs à te dire. C'est bon, c'est 35 000. Je sais mais je m'en veux déjà. C'est comme ça. Il va me crier dessus. Ça va être horrible. Je vais sortir. Je vais faire. Elle a le cargo à caper là. Je vais dire quelque chose à Judith. Oui. Une femme d'initiative qui en veut trop en général, pour moi, c'est red flag. Et j'ai amené le sujet à cause de la meuf qui a dit « Je suis une meuf d'initiative et c'est rien de méchant. » Ok, bah je vais plus initier, je vais faire nick. Tu vas, voilà. Tu vas te refaire, jus de bite. Non, là, bah, on va juste aller l'engueuler avec Oliver pour le glock qu'elle a perdu. Et après, ouais. Si vous voulez faire un truc, on est là. Mais ça aurait pu arriver à tout le monde. Attends, va l'engueuler avec eux. Moi, il faut juste que je parle avec Félix. Ah, mais en plus, je dois parler à Olivier. Tu peux venir, si tu veux. Bah, vas-y. Tu sais quoi, on va parler là. Elle le dit, tu peux venir, mais j'ai envie de non, tu viens pas. Tu restes devant. On va parler là. Oula. Bah là. Si t'as prévu de me tuer, je te préviens. J'ai... Bah, vas-y. J'ai pas trouvé de contre-argument pour te convaincre que non. Vas-y là, les gouttes. Okay, ah, ok. Est-ce que tu quoi? Les gouttes? Non, j'avais des gouttes dans l'œil. C'est désolé, c'est parce que c'est pas possible. Vous restez ici, tous les coffres ils sont fermés à clé. Hein. Non, jamais. T'inquiète, non mais tu me prends pour qui Félix, il est capable de me prendre juste pour rigoler, tout à l'heure il voulait pas me payer. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est qu'il est ouvert, je vois pas de quoi tu parles, moi je comprends pas. Ta gueule Non, il y a non, des c'est fermé, t'inquiète. Maintenant tu peux vraiment les fermer, donc elle va pas me casser les couilles. Allez hop, frigo. Arrête. Ça ne met de cadenas sur les frigos, sérieux. Attendez, ça tombe bien, y'a rien dedans. On va mettre une bonne musique. Qu'est-ce qui se passe? T'as quoi à me dire? Toi d'abord. Qu'est-ce que t'as loupé? Qu'est-ce que t'as loupé? La vie. Chinois, il est mort. Ok. Je te l'ai dit ça ou pas? Non. Je l'ai tué. Attends, parce qu'en fait, j'ai trop de trucs à te dire, mais je me souviens plus ce que je t'ai dit et ce que je t'ai pas dit. C'est un pote à lui qui était avec eux. Je me suis réembrouillé avec mon cousin. Fidèle? Ouais. Ouais, comme d'hab quoi. Je fais y mourir au moins deux fois. Ton oncle. En gros, je t'explique, j'étais au garage, tu vois. Non, mais ça, j'ai vu, ça, que t'as pissé dans le truc, ça, je me rappelle. Il y avait son employé, j'avais envie de pisser. Il a appelé Amos et Amos, il a. Mais ça, je sais, ça. Ça, je le sais, ça, je suis au courant, ça. Olivia, elle a fait une déco pour l'appart de Marie. Quoi? Ouais. Okay. Elle a décoré l'appart de Marie. L'appart de Marie ou votre? L'appart de Marie, mais des fois je dors là-bas. Ah. Mais je dors le plus souvent, je dors ici. Et là, du coup, j'ai nulle part où dormir parce que j'ai plus d'argent pour payer le loyer. J'ai mon truc étudiant, si tu veux. Ouais, je veux bien. Y a plus tout un camp de manouches devant. Non, c'est bon. Non, il n'y a plus des nains gitans. Tu te souviens quand on allait dormir là-bas, on y allait en secret parce qu'il y avait tous les manouches. Oui. Attends, viens. Viens là. Je vais m'asseoir. Voilà. Ouais, les sièges en bois se passent pour tes fesses. Oui. Là, je te rappelle, t'as réussi à tuer une poule avec ton cul. Hein. Oui, c'est vrai. la pauvre poupoule. Après, qu'est-ce que t'as loupé? La guerre du Bean Coffee avec Tata. Ouais, ça me l'a dit. Je me suis fait tirer dessus. Ah ouais. En gros, il y avait un truc de cartes, tu vois. J'avais récupéré des cartes. Déjà, les balas, ils m'ont baisé. Mais ça a été réglé. En gros, ils m'ont fait venir sur un combat. Et ils pariaient deux cartes. Tu sais, c'est genre, t'as trois cartes et tu dois avoir le plus de cartes possible. Mmh. Ils m'ont fait venir sur un combat. Tu vois, qui c'est Samuel et Rue, je sais pas quoi, là. Ouais, il veut me date. Mais tu sais que c'est mon Ops, lui, hein. Ah bon? Eh oui, il est venu au quartier tirer, il est venu me tirer dessus. Ah bah c'est... En gros... De quoi? Non, rien.
Bah tu me diras si tu le dates, hein. Ah bah non, du coup. Je viendrai faire le serveur, t'inquiète. Mais quoi? Ah oui, non mais non, j'ai pas le date, du coup. Donc en gros, je vais faire le combat, je gagne le combat. Quand j'ai gagné le combat, tous les balas, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont mis des coups de batte. Et après, ils m'ont tenu pour que Samuel, lui, il me défonce, en gros. Et j'ai jamais eu mes cartes. Génial. Après, on a trouvé un arrangement. Sauf que Jimmy, Samuel, lui, et tonton, là, Dutch, ils voulaient encore une carte. Ils ont fait une descente au quartier. Je les ai vus arriver armés. J'ai allumé Dutch. J'ai appelé Fifi. Fifi, je lui dis, sors pas de ton appart s'il y a des balas au quartier. Parce qu'il était dans son appart avec sa meuf, tu vois. Et ce con, il me dit oui, t'inquiète. Et deux secondes après, on m'appelle, on me dit j'ai ton cousin en otage. Du coup, je me suis embrouillé avec Fifi. J'ai dû donner ma carte. Au final, on a trouvé un arrangement, etc. Je me suis fait tirer dessus par les Sibi. Les Sourignos. Attends, 5 secondes. Allô? Allô, ça se passe comment? 3. Je suis chez toi là. 4. 5. Avec Olivia? Non. Et tu fais quoi chez moi toute seule? Je suis pas toute seule. Avec qui? Je te regarde pas. Qu'est-ce que t'es chez moi? Hein. Ouais, je teste ton lit. Oh la dinguerie. Ça va, je rigole, je suis avec Félix, je parle. T'es chez moi? Oui, je suis chez toi, oui. Et y'a pas Olivia? Non. Oh mince, j'ai fait une bêtise. Du coup, on disait? Du coup, ça fait tirer dessus par les CCB, par les Sourignos. Au final, les Sourignos, on a réglé le problème. Ils voulaient tirer sur Favé. Sauf que, on a réglé le problème. J'ai fait un braquage de Pacifique. Ok. On a récupéré plein de lingots, etc. avec une grosse péteuse de fou. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle est retournée à l'hôpital. Et là, ça va. Mon père, il était énervé contre moi et il voulait plus me parler parce que, ah oui, il y avait Siloa qui venait me donner mon argent pour les lingots, tu vois. Il est venu tout seul et il y avait les soies devant. Et du coup, moi, j'ai menti à mon père en disant, ouais, c'est pas un Fonochi, c'est un Sourignos, il vient me ramener un truc, tu vois. Sauf que, il s'est passé quoi? Tous les Fonochi, enfin, toute ta famille, elle est arrivée. Et du coup, les soies, ils ont compris que j'avais menti. J'ai dit, attendez, tranquille, je vais parler aux soies. Je suis parti leur parler. Déjà, mon père, il voulait me niquer. T'as Jimmy qui a rafalé les soies. Jimmy qui a rafalé les soies pendant que je leur parlais. J'ai failli prendre des balles, en plus. Mais ça va, j'ai rien eu. Enfin, à ce moment-là, j'ai rien eu. Ouais. Du coup, je rentre chez moi. Là, je commence à faire le tour parce que ça tire chez moi dans mon quartier. Les SO et les Fonochi, ils se tirent dessus dans mon quartier. Je passe par derrière. Les SO me confondent avec un Fonochi. Il m'allume. Du coup, il y a mon oncle. Il me tire dessus. J'étais en plein déménagement. J'avais ma sergent sur moi. J'avais mon arme. Police. Bam. Test de poudre. J'avais tiré avant pour le truc des cartes. J'ai tout perdu. Ok. Bon, en vrai, c'est pas la faute de ta famille. Oui. Juste Siloa, il savait ce que je faisais, mais Jimmy, il est arrivé, il a pas compris. Du coup, il a tiré avant que les soies tirent, quoi. Donc en soi, c'est pas sa faute. Mais du coup, là, mon père, il voulait en gros, il a dit, oui, on va décider de ton sort à la table. À la table. Finalement, il m'a rien fait. Mais en gros, il m'a demandé des infos sur vous et tout. Je l'ai pas fait. Et puis la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand vous êtes, enfin quand Noah il s'est tiré dessus avec les soies. Et quoi, il te parle plus? Si, mais c'est un peu tendu quoi. Il a plus confiance en moi. Surtout que j'ai encouragé Noah. Oui. Ouais. J'ai encouragé Noah au truc, du coup il était pas content. Qu'est-ce que t'as loupé d'autre? Ouais, j'ai fait quelques soirées avec Steve et sa meuf. T'as rencontré sa meuf à Steve? Non. Elle s'appelle Riley. Il y a une amie à nous qui s'appelait Ava qui s'est suicidée. Avec son mec, con.
Non, il est vraiment. Qu'est-ce que t'as encore loupé? Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ok. Et toi? Jim, il s'est excusé. Pour ce qu'il avait fait. Jim qui s'est excusé? Ouais, t'entends bien. Il s'est excusé, attends, mais... il a dit qu'il recommencerait plus. Mais vive Noël! Il est devenu chef. Oh. Ouais, on a fait la cérémonie, on lui a prêté allégeance. Mon père, oh, il est... Monsieur qui l'a... Mon père, il est reparti en Samoa, et... Non! Non, mais quelques jours, il revient. Ah, d'ailleurs, j'ai parlé à ton père. Quand vous étiez en train de vous embrouiller avec les soies, il est venu me voir dans le garage et m'a parlé un peu. Et il demandait comment j'allais... Il avait essayé de m'appeler, mais j'étais pas... Enfin, il a essayé de m'appeler pour savoir comment j'allais, mais j'étais pas disponible. Et il t'a pas dit qu'il a tué ma mère? Quoi? Attends, quoi? Ouais. Attends, qui là, il a tué ta mère? Mais pourquoi il aurait fait ça? Apparemment, il y a quelques semaines, il est retourné en Samoa pour la confronter vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Uso et tout. Elle a nié en bloc. Et apparemment, elle a avoué la vérité en Samoa sur ce qui s'est passé à propos de ce qu'on a fait, de pourquoi on était envoyé ici. Que j'ai brûlé l'arbre, etc. Bref, elle a essayé de faire du tort à notre famille, apparemment. Et elle avait aucun remords, même si je pense que c'est peut-être juste son ego qui a parlé. Et tu te sens comment, toi? Je sais pas. Enculé! Tu peux nous laisser chez nous, s'il te plaît? C'est un relou, les gens, là. Tu vois, tu fais... En fait, toi, t'es vraiment une manipulatrice, hein. Parce que tu savais très bien qu'en disant ça, t'allais le mettre en égo, il allait revenir avec ses boules de con. Tu peux nous laisser, s'il te plaît, là? Putain, les voisins, ils vont chier, hein. T'as plus rien. Ah ouais, tu vas tirer? Quoi? Mais vas-y, ta table aussi. Mais ta table aussi, elle aspire des boules. Ça, t'as pas mieux à faire? Promis, on a refait le lit. Bon. C'est une dinguerie. Du coup, qu'est-ce que je disais? Putain, mais il va pas nous laisser, c'est une dinguerie. Mais laisse-nous! T'as pas quelqu'un d'autre à faire chier? Merde, pardon, Félix. Waouh, je suis poussé. Waouh, aïe. Aïe, je suis bloqué là. Non, ça fait bloqué, des là. Semaines, je rêve de faire ça. Je suis bloqué, hein. Arrête, je suis bloqué. Attends, laisse-moi me défouler un peu. Ok, c'est bon, maintenant va-t'en là, on discute. Va-t'en là, va faire chier d'autres gens là. Je suis bloqué. Mais putain, mais... Ah. C'est une balle de tennis. C'est moi qui ai bloqué. Ok, c'est bon. Aïe. Mais je suis rebloqué. Mais arrête de nous taper aussi, espèce de trou du cul, tu vois pas qu'il y a un problème? Merde. Mais c'est moi ça. Tu peux sortir de chez toi, s'il te plaît? Mais putain. Mais c'est un forceur. C'est grave un forceur. Putain. Appelez le gardien. Tu m'en prends un con. Laisse-moi sortir, fils de pute. Tu sors pas. Arrêtez. Aïe. Ça y est. Je sais pas. Ça va, je t'ai mis un coup de pied dans les fesses, t'as rien sorti. Bon, du coup, voilà. Quoi? Quoi d'autre? Bah, voilà. Attends, mais tu te sens comment, en vrai? Je me sens comment? Je sais pas. Bah, mon père, il est malade, ma mère est morte. Et le pire, c'est que ma tante me le reproche. Donc, j'apprends que ma mère, elle est morte, et derrière, j'ai ma tante qui me dit, c'est ta faute. Génial, hein? Ouais. Ah, voilà. À part ça, j'ai ma pote qui me ramène dans l'appart de son mec qui, quelques semaines avant, flirtait avec moi. Elle s'en bat les couilles. C'est génial. Elle s'en bat les couilles. Et voilà, du coup, j'ai décidé d'être... C'est bon, d'être en recyclage. Quoi, t'es un soldat? T'acceptes l'amitié? Non, j'accepte plus rien.
C'est très bien comme ça. Pourquoi il y a deux sièges ici tout seul? Je sais pas, mais c'est très bizarre. Chemin de traverse. Ah. Attends, mais c'est une grotte, on est dans un igloo. En fait, il fait pas caca, Toko. Je me dis, il était bizarre. C'est parce qu'il le mange. Attends, mais il y a une salle ici. Et oui, c'est leur super lit où ils se foutent droit le cul dedans, là. Ils se kayak au bébé. Merde. La glace de Toko. Quoi? C'est la glace de Toko. Ah. J'avais pas vu. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui! Ma sœur, elle a couché. Elle a deux jumeaux. Il détend. Il a deux doigts de s'envoler tellement elle était gonflée. Hé, hey, comment tu parles de ma sœur, là? Quoi? Ta sœur? Moi, je veux que tu sois leur tata. Bah, je la connais pas. Enfin, pas plus que ça, à part qu'elle m'a appris que mon père n'était pas mon père, quoi. Oui, mais bon, elle a fait son travail. Non, mais je lui en veux pas, hein. Ah bah, j'espère. Mais après, je prends pas trop de nouvelles. Ouais. C'est compliqué depuis que Sarah est morte. Mmh. Ah, j'ai appris aussi que j'avais une demi-sœur qui s'est suicidée aussi. Génial. Sympa les nouvelles. Ouais, passe des bons moments. Mmh. Ah. Apparemment, mon oncle se pique à l'héroïne. Voilà. On parle pas, hein, mais j'ai appris ça. Oh non. En vrai, je vais l'éviter parce qu'à mon avis. Ouais, faut pas le chercher en ce moment. Ah mais à mon avis, ouais, moi j'ai même pas besoin de le chercher pour qu'il m'encule alors. J'ai parlé avec mon frère quand il s'est excusé, je lui ai dit que je n'osais même plus aller voir mes potes, que je répondais même plus au téléphone. Il m'a dit d'être comme avant et de pas se préoccuper de ça. Donc maintenant, je fais normal, mais bon, j'espère qu'il t'arrivera rien. Bah en soi, en vrai, depuis que j'ai parlé avec lui, il m'a plus jamais rien fait. Hein. Ouais. Bah, la preuve, au lieu de s'en prendre à moi, il s'en est pris à faver. Mais bon, c'est pas mieux. Ouais. Ouais. Qui sait, peut-être qu'il va tenir ce qu'il dit cette fois. Je le crois en tout cas quand il le dit, on verra bien. Eh ben, pourquoi pas. Ouais. Par contre, c'est quoi ce pantalon là? T'as des trous, tu vas avoir de la neige qui va rentrer dedans. Et tu dis ça, t'étais en gilet. Tu vas attraper froid. T'es en gilet. Et alors? On s'en fout de moi. Attends. J'attends quoi? C'est vraiment... Tu as marqué bouteille, je suis sûr, un truc comme ça. Attends, je réfléchis encore. Qu'est-ce que je peux mettre? Mes canettes. Je sais pas quoi mettre. Une cul. Quoi? Pas une cul. C'est un truc des années 1900. J'allais mettre une bouteille, habite ici. La vie, elle va faire. Mais c'est qui a mis ça? Mais pourquoi elle a mis ça hier? Elle est bien, ce que c'est. En plus, tu l'as écrit en police dégueulasse. Ouais, j'ai pas fait gaffe. La police, elle sent le cul. T'as une voiture? Ouais. On dirait pas un coloriage, il est pas rempli. Un mandala. Est-ce que la piscine, elle est gelée? Non. Ok. Tu crois qu'on est où? Je sais pas. Neige, quoi, c'est logique. Comment tu cours? Ben quoi? Ah oui, je cours comme une golemon. Tu cours comme une real gangsta, yo. Ah, j'ai fermé. Oh, attends, t'as pas vu ça en haut? Si, j'ai vu. Non, mais je savais. C'était pour voir si tu te souvenais. Je savais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Bon, ça, fais pas attention.
Ouais, ça tient pas sur ses jambes. Fais pas attention, la voiture à gauche, c'est ma location. Ah ouais, c'est ça. C'est de la péter, hein. Là. Je suis pas mariée, hein. Ouah. Marie, on se parle même plus. Tu dors avec elle dans ton nouveau appartement. Même pas. Et pourquoi t'es avec elle si tu la vois pas? Je sais pas, je l'appelais tout à l'heure. Ça faisait 2 jours que j'étais pas là, j'ai pas eu de nouvelles. Du coup, je lui ai dit, mais tu m'as pas donné de nouvelles. Elle m'a dit, bah oui, mais je t'ai appelé, tu répondais pas. J'avais pas son appel dans le truc. Donc je me suis dit, putain, j'ai faim. Ah, tu t'es dit ça? Ouais, et puis du coup, j'ai fait boire, bah les couilles, et je suis parti manger. Ok. Non, je rigole. Non, mais en gros. Medical cocaine. Non, mais du coup. Mais, ta gueule, je suis en train de parler. Si je vais être une boule de neige. Oui, bah justement, j'allais te dire. Justement, bah j'allais en parler. Quoi? Mais il fait froid. Mais j'ai un collant. J'ai un collant. Mais attends, mais c'est qui cette bombasse? Attends, je rajoute un truc. Ah ouais. Là, waouh. Père, ma meilleure amie, c'est vraiment une bombe. Ah. Bien aimé le moment où on a pu aller manger. Je vais dire concurrent de tata. Tu veux dire quoi, ma meuf? Que tu vas au scripté au café. Quoi? Tu veux dire à ma meuf que je vais au scripté au café? Bah ouais. ça va l'intéresser. Tu vas trop avec des croissants. Mais du coup, pourquoi t'es avec elle si tu la vois jamais? Bah... c'est Marie, hein. T'as pas aimé mon argumentation? Ouais, c'était lourd. C'est elle est présente cette année, hein. En fait. Oh, ta réponse, elle vaut la même chose que elle respire, hein. En vrai, elle est vivante, hein. Mais attends, Tata, elle m'envoie un doigt. Mais pourquoi? Non, mais. Je te jure, je suis trop perdu dans mes sentiments. J'arrive plus à savoir ce que je veux et ce que je ressens. Bonsoir, bonsoir. 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 Malheureusement, nous sommes fermés. Il y a un invité de prestige. Tommy. Enchanté, Tommy. Putain, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, mon frère. Mais avec une main. Frère. Oui, mais avec une main. Ok, je tenais à vous dire que nous sommes fermés. Nous avons une invitée de prestige qui a réservé des lieux. Où ça? Bah, il y... Non, monsieur. Où ça? Un invité? Oui. Allez chercher votre ami. Monsieur Prestige! Félix, mon ami! Bonjour! Bonsoir, t'es qui toi? Je suis serveur ici. Ah, Félix! Vous allez sortir tous les deux? Mais je travaille ici! Allez, mais sortez! Mais c'est mon frère! Sortez, Prestige! C'est réservé! Ok. Désolé du dérangement. Demi-tour, parking. Parking. C'est la foire ici. Bon. Allez, parking. Qu'est-ce qu'il fait, mon frère? Non, mais c'est trop étonnant. Une sacrée coïncidence. Allez, dégagez. Mais la probabilité, mais je vais tout baiser. Mais attends, mais. Et comme par hasard. Bon bah viens, on va chercher à manger. Mais attendez, je sais pas, Joe Biden, Donald Trump. On sortit de ton frère. Je dis pas que c'est pas un invité de prestige, mais bon, là nous faire sortir de là où je travaille. T'es réservé quoi, il parle bien de mon frère. Bon. Ah, on parlait de Marie. Oui, c'est bon, quitte-la Marie, ça y est. Elle a fait son temps. Bah ça va, elle a pas encore 30 ans. Bah non, encore eux. Tu se mettais ça et t'es mineur. Mais arrête de dire ça. Mais c'est vrai. Mais non, mais tu me fais passer pour un truc mais de fou. Mais c'est elle qui me l'a dit. C'est toi qui te fais pas passer pour un truc à 21h. À la 21h. Ah ouais, tu tapes des nouveaux-nés, c'est chaud. À la 21h. Je me disais bien que les pompons aussi, ça faisait jeune. Reviens! Mais non, mais tu me fais dire n'importe quoi! Mais c'est toi, hein, au bout d'un moment! Non, mais j'ai bien aimé le moment où on a passé le portail. Bon, allez, viens! En vrai, la fuite, elle était rapide, au moins.
Tu trouves pas que le... Et Olad. Tu trouves pas que le vendeur il ressemble étrangement à mon frère? Ouais, c'est trop bizarre. Ça se trouve c'est mon frère qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Je sais pas, hein. Je sais pas ce qu'il avait fait le poteau, mais... Elle me devait des thunes. Elle m'a pas dit bonjour. Ah ouais. En tout cas, je suis content de passer un peu de temps avec toi, ça m'a manqué un petit peu. Ouais. Tata, j'espère qu'elle m'a pas envoyé un doigt parce qu'elle est toute seule. Attends, elle est où? J'appelle. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es où, grosse pute? Je suis chez Olivia et Olivier. Arrive. André. Vas-y, va là-bas. Tu parles à ta tante? Mais je pensais qu'elle allait choquer, mais en fait, elle réagit normalement. On a plus rien à foutre. Elle est en FF mental, ta tante. Elle s'en bat les couilles maintenant. Elle va agresser à l'arme blanche les gens dans des entreprises. Elle s'en bat les couilles, ta tante. Elle est malade, tata. Elle m'emmène dans ses bêtises. Bah oui, vu que t'étais pas là, et ben je reste avec tata. Ah, j'ai compris, tu fais des messes basses avec tata. Bon. Je te jure, pas de messes basses. Tu m'as remplacé! Mais jamais de la vie, t'es irremplaçable. Ouais, c'est ça. Bon, garde ton baratin pour ta meuf là, la 21h. C'est pas du baratin! Attends, tu penses que c'est du baratin là? Y'a même pas une nuance. Pourquoi tu restes avec ta meuf? Je passe pas avec elle, je suis avec toi. Non mais. Ah, d'être con! Elle est con. Vas-y, elle t'apporte quoi dans la vie? Plan mule de fou! Viens, on nique le plan mule. Ah, mais il est fini. Attends, y'a mon frère qui m'appelle. Allô? Ouais. Ouais. Ouais, tu là-bas. Fais quoi? Ben, j'avais un petit rendez-vous avec eux et toi, tu fais quoi là-bas? Bah, je cherchais à manger. Et là, on va. Je vais chez Olivia. Vous allez faire une soirée? Bah, je sais pas, ouais, y a tout le monde, y'a Tata, Olivier. Ok. Bah, vas-y, mais peut-être je passe après. Vas-y. Vas-y. À toutes. À toutes. Ton frère qui accepte d'être au même endroit avec moi? OMG? OMG, leak. Tu vas t'arrêter tous les 20 mètres, je crois. Ça me stresse parce que je vais pas dormir tard, donc vas-y, avance. Ça va me tendre là, ça va me tendre en fait. Faut vas-y, respecter bref. Le code de la route. Il y a des barrières devant, il y a des barrières, tourne. Il y a des barrières. Des barrières. Il y a des barrières devant. Oh. Putain. Comment ça tu me bref? Bref. Ça fait vas-y, deux. Vas-y, bref, quitte ta meuf là. 3, 4. Vas-y, quitte ta meuf. Vas-y, quitte ta meuf, vas-y, quitte. Tu parles comme une raquette. Ouais, comme du bœuf, ouais. Tu me dois 4 câlins. Yeah, cause I'm bro. Mais non, mais ça y est, au bout d'un moment, c'est, t'as fait le tour. C'est vrai ce que je dis. Aïe. Le tour de quoi? Elle t'apporte quoi, à part des appels qu'elle te passe pas au final? Un toit. Waouh, bah, vas-y, je te apporte un toit, comme ça t'es libéré. Mais est-ce qu'il y a toi en dessous du toit? Bah oui. Ah bah Carrie alors. Tu vas dormir avec moi ce soir? À la truc universitaire? Si tu veux. Bah non, je te dis ça, mais j'ai pas envie en fait. Ah bah non, du coup. Non mais grave flemme quoi, anyway. Ah bah... Chaud. Oh putain! Oh tu l'as eu! Putain, j'ai cru que tu l'avais évité! Mais je l'avais évité! Bah, tu l'as pas assez évité! Oh purée, non! Ça va, madame? Je voulais esquiver, je l'ai tué! Chien, ça va? Madame, vous allez bien? Putain, désolé! Attendez! Elle a essayé de t'éviter, mais il a mal essayé! Il m'a pas évité, il m'a eu! Désolé! Non, mais j'ai essayé de vous éviter, mais bon! L'inévitable est arrivé! C'est un tueur, il a voulu tuer quelqu'un! Ouais, t'as voulu me tuer, c'est ça! Attends! C'est clairement un homicide! Je t'ai déjà inscrit, bien sûr! T'es renversé à 20 km/h, t'es tombé dans la neige, arrête de faire un drama cul! Quoi? Vas-y, les médias, prenez des photos, les médias! Vas-y, les médias! Je suis un tueur, j'ai tué cette femme! Ça va, ça va! Ok, c'est dans la boîte! Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon, les copains, vous avez tout dans la boîte! Tout est dans la boîte! Yo! Oh la piégée! Yo. Qu'est-ce que tu fais? Viens dans la voiture, Ria, tu fais quoi? C'est pas moi, je suis là, trop de balle. Lalaou, tout ça. C'est moi, Lalaou, Lalaou. Elle a le même haut, sérieux? Ah non, il y a une capuche, c'est pas toi. Ah ouais, non, j'ai un col roulé. Eh ouais. Bon, vas-y, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas toi, t'es vachement plus belle quand même. Ouais. Ah mais t'as... Faut arrêter de faire ça. C'est arrivé quoi? Faire quoi? C'est faire inverser. Yo, fuck. Attends. Il a un scoop. Ah, vous allez prendre perpète. Aouh!
Tentative d'homicide. Sur drift. Ah ouais. Voiture. Ah, non, sérieux. C'est pas conduire. Quoi? Pourquoi t'as poussé dedans? T'as dit quoi? Tu touches à mon ego là. T'as pas d'ego. Tu vas où? Mais quoi? Vous voulez venir avec moi vite fait? Tu vas où? Ils sont en train de parler tous les deux avec Oliver. Je dois aller payer les surignos. Elle est où ma tante? Elle parle à Oliver vas-y, en tête à tête. Face to face. C'est pour ça que je me faisais chier. Je vais vite aller. Oh, tu peux conduire vite fait? Tu peux conduire? Pour l'arme? Ah non, pour... Ah oui, ouais, non, non ça va. Tu veux juste que chez Soignos? Non, va au manoir, mais aux petits escaliers là, que j'arrive vite chercher de l'argent chez moi. Tu dois 20 000 dollars. Tu leur dois 20 000 dollars? Pour la drogue. Elle sent vraiment le cul cette caisse. Ah mais ils sont pas là je crois, merde. Comment ça ils sentent le cul? C'est pas grave, je vais les mettre chez moi, tu peux aller quand même. Oh. En tout cas votre lit il est grave confortable Olivia. Mais je vous laisserai plus à la maison, c'est fini. Mais pourquoi? Bah parce que... Bah t'es pas dans le lit. Bah, on a pas été dans le lit, c'est faux. On vous laisse reposer. Bah, c'est irrespectueux, t'es sûrement là avec tes chaussures en plus, donc c'est irrespectueux. Non c'est faux, je me suis essuyé les pieds et j'ai enlevé les chaussures. Et j'ai enlevé les chaussettes. Il m'a engueulé Toko. Tu sais qu'il m'a engueulé Toko. Hein. T'as dit quoi? Il m'a dit pourquoi tu laisses des gens chez nous? J'ai dit bah je sais pas, c'est y a Félix, je m'en fous. Ça va, lui fait la majorette, il vit chez nous. Ici, derrière. Il fait la majorette. Dis ça, il vit chez nous lui. Bah il vit avec vous. Oui, ah, bah quand il rentre dans ma chambre, je dis rien moi. Oh waouh. Oh waouh. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi t'es mal à l'aise? Vas-y, c'est une dinguerie, vas-y. Vas-y. Ta mère, toi. Ton père. Merde, je me suis trompé encore. Ah merde. Bon bah, il est parti. C'était cool. Allez, deux câlins. Tu quoi là? Tu regardes qui? T'as niqué mon truc, je vais faire un truc, mais voilà quoi. Mais dans le coffre, mais ça c'est 30 câlins ça. Je vais te mettre des amendes. C'est un câlin coffret. Tu m'entends ou juste tu me parles pas? Mais non, je t'entends. Ah ok, juste tu me parles pas. C'est un câlin coffret. Tu l'as. Oui, il est bien coffré le câlin. Vous faites souvent des câlins, vous êtes sûr que vous êtes juste amis? Oui. Bah oui. Il se tape une blonde à pompon, il a 21h. Ah oui, c'est vrai, Marie. Putain, je sais que j'oublie tout le temps, Marie. Normal, elle sert à rien. Pourquoi elle est jamais avec nous? Bah. Arrête toi, tu dis rien quand elle dit. Moi, si j'avais dit elle sert à rien, il m'aurait enchaîné. Bah oui, mais toi, t'es pas hier. Bah, elle sert à rien. Elle a raison. Bah, t'es enculé. Voilà, elle après, sert à rien. Tu l'as toi-même dit tout à l'heure. Après, Olivia, t'es culottée parce que tu m'as dit que tu l'aimais bien. Et tu bah, elle est cool, avec. Ouais, mais elle sert à rien, quoi. Elle est pas cool, elle sert à rien. Je la vois jamais. Ouh, mais il se fout de ma gueule, lui. Olivia au volant, si. Mort au tournant. Oh non, on va le drift, c'était beau. Oui, mais c'est dingue de dire ça alors que quand tu lui parles, t'es toute gentille et tu l'aimes bien. Mais j'ai pas dit que je l'aimais pas. Et en quoi j'ai dit que je l'aimais pas? Oui, non, mais là, t'es. Est-ce que j'ai dit que je l'aimais pas? Non, t'as juste dit qu'elle a juste dit qu'elle servait à rien. Allô? Ouais, on la voit oui, jamais, quoi. Tu devrais la prendre souvent. Fais vite, fais vite. Je m'énerve. Pas beaucoup. Donc, elle sert à rien. Après, je pense que Félix, il a besoin d'une meuf comme ça qui le saoule pas trop, peut-être. Je sais pas. Imagine s'il avait une meuf jalouse de toi, par exemple. Je la brûle. Oh, waouh. Et y'a, c'est un petit dragon. Ah, parce que c'est vrai que Marie, elle est pas du tout jalouse de moi, genre. Ah, elle est jalouse? Pourquoi tu la brûles pas, alors? Bah, j'ai voulu, mais Félix, j'y veux pas. Je me dis ça. Attendez, j'arrive. Oui. Non, il faut que je te parle. Oliver. Honnêtement, oui. Ouais. Ah bon? Au ciel, bon, on venait sur le banc. Tu as du mal à André? Oui. Ah ouais? Vraiment pas avoir de cœur, hein. Ça me met trop mal à l'aise qu'on a trois dans la même voiture. Pourquoi? T'as l'impression que c'est un mauvais remake. Ta gueule! Mais non,
Mais t'es con quoi? Mais oui, mais tu veux que je dise quoi à ça? T'as vu, c'est déjà assez compliqué de me faire des amis, alors si je pense à ça à chaque fois... C'est ta meilleure amie? Non. Non, je n'ai qu'une meilleure amie. C'est qui? C'est Mia. Là où elle est, là-haut. Donc ça n'a rien à voir. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais je le dis. Mais je vais pas dire ça à chaque fois qu'il y a une fille avec nous dans la voiture. Oui, mais elle, elle t'appelle ma meilleure amie. Oui, je sais. Du coup, ça me met mal à l'aise. Arrête. Vous êtes parti. Oui, j'arrête. Elle dit ouais, on la récupérera plus tard. Parfait. Ça va, Félix? Mais... J'ai pas de pièce, mademoiselle. M'approche, je sais pas si vous... Bonjour, Olive. Attends, va te faire enculer. Comment il va, là, le Quoi? Bah non, je suis un chat. Ouais, c'est vrai. Miaou, miaou. Dis miaou. Pourquoi miaou. Tu marches, Elia? Ouais. Je comprends pas. Dis miaou, miaou, maintenant. C'est vrai? T'as bien marché dans la neige? Dis ouh, ouh. Elle ouvre pas le flamingo ce soir? Non. T'as peut-être donné des croquettes ou pas? Non, mais c'est bizarre, Félix, tu vois. Ouais. Bon, je vais chercher de la bouffe parce qu'on en a plus. Ouais, ouais, je t'entends. Je suis là! Vas-y, je lui dis, va dans la voiture, j'arrive. Tous les jours. Bah non. Oui, mais là, elle s'est fait kidnapper par des mimes. Alors? Ah, des mimes qui parlent. Ouais, donc elle est partie en dépression. J'ai jamais dit ça, mais prends ton câlin. Ok, ben vas-y, les gars. À tout de suite. Non, on va juste chercher de la bouffe parce qu'on a plus rien, les frigos sont vides. Qui vient? Qui vient pas? Et où, Steve? Vous allez à quel café? André, comme ça, on fait 4 et on... Il a une soirée privée. Qu'est-ce qu'il y a, Tantine? Vous allez à quel café? Enfin, t'as une soirée privée, André? On va aller au Koi, je pense, non? On va aller c'est bien, c'est bien le Koi, c'est très bien. T'as une soirée privée? Soit le Koi, soit le crypto, non, je sais pas. Non, pas de crypto, c'est nul, le crypto. C'est quoi ça? Bon, bah là, on va aller au Bean Café, on va aller au Bean Café. Prends André, comme ça, on est 4 et 3. Vas-y, André. Ah, super, donc vous voulez pas d'André, c'est ça? Non, mais je suis avec eux. Non, mais y a pas de place. Moi, je viens d'André. Tu es avec eux? Bah, pourquoi André irait pas avec eux et toi, tu viendrais pas avec nous? Ah, je vais toute seule. Allô? Pourquoi on va où? Rien, André, viens. Il va faire, un truc, Félix. Hein. Moi, je vais aller dormir de toute façon. Vous allez où? Quoi? On va passer une bonne nuit. Tantine, à plus tard. À plus tard, Olivier, à plus tard. Oliver, toujours. Non. C'est rien, tu me rejoins. Ok. Ouais. Ouais, vas-y, je t'envoie. Je suis pas schizo, hein. C'est pas ce que vas-y, tu crois. T'as tu fais ça. Je dois aller parler. Je dois aller parler avec quelqu'un. Aïe, arrête. Aïe, voilà, toi, parce que c'est pas l'écoute. Je dois aller parler avec quelqu'un, je vous appelle après, voir où vous êtes, c'est bon? Bah, moi, je vais aller dormir, pardon, mais... Tu vas dormir, déjà? Ouais, ouais, je vais dormir. Ah ouais? Mais oui, mais t'as une clé pour moi? Ouais, t'inquiète, je le trouve ouvert. Eh, tu vas dormir aussi, Félix? Non, il a besoin de la clé pour me rejoindre. Dans ton lit? Oh là là, vas-y, Olivier, à toi. Oui, dans mon lit, oui. Oui, dans son lit. Dans mon cul, carrément. je rigole. Non, ça, c'était ma poule, ça. Tu casses les couilles avec ta poule de con, là. Tata, j'ai une question. Elle est morte asphyxiée ou elle est morte écrasée? Écrasée. Elle est dans la colline, encore. Encore là-bas, tu marches sur la colline, t'entends cote-cote. Ou elle est dans ton cul? Non. J'avoue que ça fait cote-cote un peu par là. Eh, en vrai, si t'as une poule dans le cul, elle pond des œufs ou pas? T'imagines, tu pends des œufs du coup grâce à la poule? Je crois qu'elle meurt. Je vais me mettre à pondre des œufs, c'est stylé en vrai. Je vais me merde, elle a dit. Bon, Félix, on a un truc à faire, c'est très important, c'est de la plus haute importance. Et bah, déposez-moi et. Bon. Voilà. Vas-y, je vous appelle après, Félix. Ok, venez, venez. Sinon... Vas-y. Bon, tu m'as refrappé, du coup, tu me redonnes un câlin. A tout à l'heure, Olivia. Eh, hey, ça y est, toi, quitte ta meuf un pas peu. La bonne voiture, mais tu vas où? Merde. Putain, mais je suis tout à fait d'accord. T'as dit quoi, quitte ta meuf? Non, je dis quitte ta meuf. Oh waouh. Tu ne peux pas rentrer. Ta gueule. Ouvre la porte. Je casse la porte. Bah non, t'as pas assez de force. Open the door. Tu dois faire un câlin pour rentrer, ça la paye. Bah non. Et moi j'ai rien demandé, moi. Open the door. Ok. Bon bah on y va. Tu conduis pas, tu sais pas te servir d'une pédale d'accélération. Et toi d'un skate. Si, regarde. Elle est où ma poule, Eya? Elle est où? Dans mon cul. Poule. Mais monte en vrai, monte. Faire foutre. Moi je t'ai laissé les portes ouvertes, hein.
Franchement, je tombe pas, hein. Après, je fais de la ligne droite, quoi. Et on est monté à 20 downloads, c'est cool. Ok, on a failli tomber, les gars. Éclaté, les gars. Je suis pas tombé. Ok, je suis pas tombé. Et ouais, incroyable, hein. Ouais, demain je live. J'ai fait un détour de fou. Est-ce qu'il est encore là, l'appart? Eh, je le gère, le skate, hein. Je suis tombée. Si je live tôt, ce sera sur Kick. Et je crois que demain à voir. Mais oui, ce sera toujours plus tôt. Wesh, y a de la neige dans ma maison. Ma maison, elle est sous neige. Dégage. Merci, Drac. Ouais, je suis à l'appartement universitaire, je t'ai laissé la porte ouverte, par contre tu feras gaffe, il y a un peu de neige. Attends, il y a de la neige dans ta chambre ou pas? Ouais, il y a de la neige partout. Ah, trop relou quoi. Donc voilà. Trop relou, tu vas devoir me prêter ta couette. Ouais, trop relou. Vas-y, dors bien. À demain. Bonne nuit. Bon les gars, je vous dis bonne nuit. Merci à tous ceux qui vont télécharger les gars le truc de cette série. Je vous remets le lien une dernière fois pour ceux qui veulent bien le faire les gars. Vous cliquez là-dessus, vous installez, vous téléchargez et voilà. Et n'oubliez pas aussi sur le site, vous avez moins 5% en plus. Des promotions du Black Friday style service, les gars, c'est incroyable, vraiment, profitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'on a des réductions comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter et n'hésitez pas à spam ce petit truc là, vous installez, vous téléchargez, vous installez, ça prend vraiment 2 secondes les gars, et vous faites monter le compteur là, le but c'est de le faire monter le plus possible. Merci à tous ceux qui joueront le jeu, vraiment la famille, et moi je vous souhaite bonne nuit, je vous dis à